Bonjour et bienvenue maintenant à un entretien avec Berthold, ici David au micro. Nous sommes présentement au début du mois d'octobre 2020. Le thème de la discussion aujourd'hui, c'est celui de la deuxième vague, c'est-à-dire que présentement au Québec, comme un peu partout dans le monde, dans les médias de masse, on nous dit que nous nous trouvons présentement dans une deuxième vague associée à la crise du coronavirus COVID-19. Mais qu'en est-il réellement? Donc, c'est le sujet dont il va être question, entre autres, aujourd'hui, dans le cadre de la discussion. Mais avant de débuter à proprement dit, je veux mentionner aux gens que par rapport à tous les propos qui sont tenus ici, comme dans mes autres enregistrements, l'important, c'est de ne pas croire, faire preuve de discernement par rapport à ce qui est dit, de vérifier par vous-même. Et c'est sûr que moi, lorsque je fais des entrevues, bien, je donne la liberté aux gens de parler. Donc, faire preuve de discernement, c'est fondamental, pas juste par rapport à mes enregistrements, naturellement. Sinon, bien, je voulais remercier les gens qui, au fil des semaines et des mois, m'ont fait parvenir des contributions financières, donc via le service sécurisé PayPal et également celui d'Interac. Donc, s'il y a des gens qui, présentement, apprécient le fait que je fais une entrevue avec Berthold, d'ailleurs que vous pouvez avoir accès en exclusivité sur ma chaîne, donc vous pouvez à ce moment-là, en guise d'appréciation, me faire parvenir naturellement de l'argent. Vous allez avoir les coordonnées là, par rapport à mon compte PayPal et les informations se rapportant au service Interac en bas de l'enregistrement présent. Donc, s'il y en a qui apprécient particulièrement ce que je fais, ben c'est une façon de me soutenir parce que l'un de mes objectifs, c'est de donner des contenus exclusifs parce que Berthold, vous n'allez pas le retrouver interviewé dans les médias de masse. Présentement, je suis la seule personne au monde qui l'interview. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que si vous appréciez les contenus exclusifs que je vous offre, ben, c'est une des façons, c'est que vous m'apportiez votre soutien à ce niveau-là. Et je voulais mentionner aussi que présentement, sur Internet, il y a quelqu'un qui a rendu public des correspondances qu'avait fait Berthold avec différentes personnes avant qu'il ferme sa chaîne YouTube. Donc, vous avez les documents qu'il avait copiés-collés, qu'il a sauvegardés. Donc, vous allez avoir les coordonnées là, à l'égard de ce blog là, en bas de l'enregistrement présent. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont le goût, bien entendu, de lire ces échanges-là. Et sinon, comme annonce que j'avais à vous mentionner, c'est que, bien entendu, par rapport aux entretiens que j'ai faits avec Berthold, vous en avez d'autres aussi sur ma chaîne YouTube. Et vous pouvez également retrouver en bas de l'enregistrement présent les coordonnées d'un livre qui a été produit à partir de transcriptions par rapport à ces derniers. Donc, je voulais mentionner ça d'entrée de jeu avant de débuter la conférence aujourd'hui, qui est enregistrée non pas devant public, mais qui est enregistrée entre nous deux là, sur le web, mais qui s'adresse au public un peu partout dans le monde. De ton côté, Berthold, avant de débuter, à proprement dit, est-ce que tu avais des annonces à faire? Non. Parfait. Non, j'écoutais. OK. Donc, je voulais quand même laisser de l'espace. Et puis, sinon, la proposition que je voulais te faire aujourd'hui, parce que les entretiens qu'on fait ensemble sont écoutés un peu partout dans le monde. Il y a d'ailleurs plusieurs Européens qui m'ont fait la remarque, qui trouvaient que tu t'exprimes avec un français canadien, qui m'ont dit, bien, Berthold est super intéressant en termes d'idées, d'éléments qu'il va amener. Il y a des gens qui apprécient beaucoup la finesse de ton intelligence, mais il y a des gens qui, surtout en Europe, que ce soit en France, en Suisse, qui ont de la difficulté à comprendre parfois ton accent québécois. Donc, toi, est-ce que, si je te propose aujourd'hui d'apporter une vigilance particulière pour t'exprimer dans un français plus international, est-ce que tu serais à l'aise avec ça? Non. OK. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que moi, je suis là pour respecter ce que Berthold veut, naturellement.
Mais les gens là, ont arrêté de maigrer pour Ça me dire de te fait rire demander un à peu. Bertolt de parler avec un français plus international. Donc, j'ai fait le message auprès de lui. Mais dans le fond, ben, c'est ça que toi, tu t'exprimes comme tu veux, là. Ouais, ben, comme je peux. Si je m'exprimais comme je veux, ça serait moins bien. Je m'exprime comme je peux. OK. Ça serait moins spontané si je me mets à m'attarder à ma prose, puis à chaque syllabe. Puis bon, je ne serais pas capable. Ça risque d'altérer ma présence. Non, c'est bien correct. C'est sûr que ça peut enlever aussi à la spontanéité. Par contre, dans le fond, le point que je peux faire, c'est que c'est sûr que moi, sans alourdir la conversation, c'est sûr que je peux reformuler là, certaines expressions en français plus international, parce que c'est facile en fonction des différents accents, que ce soit l'accent québécois, l'argot parisien ou l'accent marseillais, ou il y en a d'autres aussi un peu partout. L'accent, c'est sûr, qui est présent au Congo, en francophonie, qui a des divergences ou dans certains cas des malentendus. Si on prend par exemple le mot gosse, donc, en France, c'est pour parler d'enfants, puis au Québec, de testicules. Donc, c'est sûr que les malentendus peuvent venir facilement. Si quelqu'un dit à une autre personne, je vais aller dehors jouer avec mes gosses, il y en a un qui peut comprendre que c'est un Québécois, que l'autre va jouer avec ses testicules. Ouais. Il va... C'est pas la même, ça a pas la même consonance. Mais. Parce que si je dirais mes gosses, là c'est des enfants, mais mes gosses, ça c'est des gosses, là c'est pas pareil. Oui. Moi, en tout cas, je comprends là, que c'est pas le même mot. Je peux comprendre que ça peut créer des malentendus, là, mais c'est Bon. ça. Mais j'entends pas le même mot. Ben. Aussi, ça n'a pas la même vibration, dépendamment du contexte, mais c'est, je peux comprendre que quelqu'un qui n'est pas habitué, là, qui a des malentendus. Mais c'est un peu comme Bernard, c'est pour ça qu'il est transcrit, puis aussi que. Mais il y en a maintenant, ils font plus attention, là. C'est ça. Moi, c'est sûr que je t'impose pas ça, mais quand que je fais des enregistrements, je vise à avoir un souci d'avoir un parler qui vise à être international, dans le sens que je vais, par exemple, parler de ma compagne au lieu d'employer le terme blonde, qui est un québécicisme. Tandis qu'en France, on Bon, ben, n'utilise pas le terme blonde. je dirais ma conjointe, c'est déjà international. Ouais, c'est plus Parce que international comme forme. ma blonde, moi, je trouve ça, j'aime pas ça. Parce que il y a quelque chose de possessif là-dedans, comme c'est quelqu'un qui dit ma femme. Mais si le mot, il y a une autre vibration, comme ma conjointe, mon épouse, il n'y a pas la même. C'est pas pareil. Exactement, mais chacun selon les endroits, il y a des termes distincts pour parler de même réalité. Comme en Europe, ils vont parler de ma chérie. Ouais, ben là, il y a même. Là, encore là. Ben, c'est sûr. Ça dépend qui le dit et quand. Exactement. Donc, à ce moment-là, on s'en fâchera pas dans les mots avec ça. Pour pas que les MOTS deviennent des MAUX, les mots. Donc, on ne se mettra pas les pieds dans les fleurs du tapis. Et je voulais t'amener à commenter naturellement là, ce qu'on nous parle ici dans les médias au Québec, mais un peu partout dans la francophonie, qu'on se retrouverait actuellement dans la deuxième vague du COVID-19, coronavirus. Et là, on nous parle d'augmentation de cas basée essentiellement sur le fait que de plus en plus de gens qui sont testés. Souvent, c'est des gens qui sont asymptomatiques. Par rapport à cette réalité et cette deuxième vague qu'on nous présente, qu'est-ce que tu en penses? Rien. Dans le sens, je pense pas à ça, je regarde, mais pas autant que d'autres. Je suis pas ça tant que ça. Parce qu'il y a rien de. Il y a pas grand-chose, je veux dire, ce qui arrive là, c'est prévisible, parce qu'on nous dit beaucoup, hein, à l'avance. Ce qui. Ben, un œil avisé voit un peu le. Parce que là, on pouvait s'y attendre, là, l'affaire de la deuxième vague, ils en ont tellement parlé. Ils peuvent pas se permettre qu'il n'y en ait pas.
Exactement, on parlerait à ce moment-là d'autoprophétie. Puis d'ailleurs, je pourrais mettre en bas de l'enregistrement présent un article qui est paru le 18 août dernier qui nous expliquait que le Québec avait 6 semaines pour se préparer à la deuxième vague qui nous menait au début du mois d'octobre. Et c'est sûr qu'en annonçant qu'on se prépare pour ça, bien, on conditionne les gens à l'idée qu'il va y avoir une deuxième vague. Ben, ce qu'on dit aux gens, c'est qu'il faut qu'on se prépare. Puis eux, le sous-texte que ça dit clairement, le vrai, ce qu'il dit, c'est on prépare la deuxième vague. Moi, c'est ça que je comprends. Quand dans des choses comme ça, là, aussi les relations publiques, il y a une sorte de condescendance déformante par rapport à la façon dont les gens qui font les opérations de relations publiques perçoivent le public. Puis des fois, ils se permettent de. Puis là, ça devient plus facile de prévoir un peu ce qui va arriver. La deuxième vague, c'est certain que. C'est avoué, hein, que c'est parce qu'il n'y a plus de tests, mais en même temps, il ne change rien. Il y a encore là, une sorte de. D'incohérence voulue qui court-circuite le sens critique parce que. Elle est là, la deuxième vague, oui, comme chaque année. Je veux dire, c'est. Mais même là, s'il reste que, bon. Mais ça, c'est C'est. oui. Ben, vraiment, là, rendu à ce point-là, c'est pas moi qui vais me mettre à déchirer ma chemise, que là, il ment aux gens, puis. J'ai. Dans le fond, tout ça, c'est certain que c'est politique, puis c'est contextuel, puis bon, là. Je vois pas l'intérêt d'élaborer plus, là. Mais c'est quand même particulier parce qu'on assiste à un phénomène historique de portée mondiale, parce que dans différents pays, que ce soit en France ou qu'on nous parle aussi de l'augmentation du nombre de cas. Et la particularité, c'est que présentement, au Québec, on est en zone rouge, on a recommencé le confinement, on a une échelle de couleurs. Il y avait la zone verte, jaune, orange. Là, on est dans zone, on est situé, ben, en tout cas, beaucoup de régions du Québec en zone rouge, qui est dans la zone de confinement total, maximale, la zone où qu'on nous dit que présentement la situation est extrêmement grave, c'est la pire couleur, et on reconfine des populations entières, et c'est ça qui est nouveau, sous la base du nombre essentiellement d'asymptomatiques, pas sur le nombre de gens qui sont hospitalisés Ah aux oui, soins mais c'est ça. intensifs ou le nombre de décès. Si ta population, si tu n'as pas le nombre d'hospitalisations que tu veux ou le nombre de décès que tu veux, ben, c'est certain que ça va être le nombre de cas. Parce que ça prend une deuxième vague. Il n'y a pas de deuxième vague d'hospitalisation tant que ça en ce moment. Mais ça s'en vient, il va y avoir des hospitalisations, mais il y en a chaque année. Oui, À chaque exact. Pour la année. grippe saisonnière, Ben il y a un oui. nombre d'hospitalisations puis de décès. Mais là, présentement, on parle, il y a eu des journées qu'il y a eu un cas, d'autres zéro, deux. Là, ça a augmenté un petit peu. Mais quand même, est-ce que tout ça justifie la nature des mesures qui sont prises? Ça dépend c'est quoi ton but. Parce qu'on me dit autour, on me dit, oh, c'est pas scientifique. Oui, c'est scientifique, mais c'est pas la science au sens de la virologie ou de la gestion d'une pandémie dans des populations. C'est de la science au sens de la psychologie de masse. Moi, ce que je vois, c'est fait scientifiquement. C'est géré très scientifiquement. Il y a une science, là. Mais c'est pas celle qu'on nous dit. Mais je vois, il y a des scientifiques en arrière, mais ce n'est pas des scientifiques qui aient d'autres choses, là. Mais il y a une science, là, c'est fait scientifiquement, c'est bien fait. Bien, Je veux justement, dire, c'est très bien c'est fait. pour bénéficier de ton éclairage là-dessus, pour nous présenter un éclairage qui est différent des médias de masse, voire de certains médias alternatifs, que l'intérêt de discuter avec toi, de justement, c'est quoi la science qui est derrière ce qui se passe présentement avec la deuxième vague? La science, c'est très ancien. C'est de la façon dont l'âme fonctionne, l'âme collective, entre autres. Se servir de l'animalité dans l'homme, puis de céder les programmes, au fond. L'être humain, il y a des programmes. Dans le sens, c'est plus que comme un tamis oreiller qui court après ses noisettes, c'est parce qu'il y a un programme. L'être humain aussi, il y a des programmes. Si on a la science des programmes, on peut gérer les masses. C'est carrément ça. C'est très simple au fond, mais c'est
complexe dans le sens que c'est subtil. OK. Dans le Congrès, présentement, on est programmé à croire qu'il y a une deuxième vague. C'est-à-dire, les médias nous martèlent, nous répètent que nous trouvons présentement une deuxième vague. C'est les messages aussi des gouvernements officiels. Pourquoi qu'on nous fait Pour, croire? je veux, pour justifier. Puis aussi, c'est de la démolition contrôlée. Si tu veux changer toute l'économie, il va falloir que tu fasses de la démolition contrôlée parce il faut justifier. Donc, la deuxième vague, c'est entre autres pour. Il va y avoir des faillites. C'est un peu comme dans un système un peu de type soviétique. Tu vas avoir juste une ou deux compagnies qui fabriquent les souliers. C'est des sociétés d'État, par exemple. Eux autres, ils ont le monopole des souliers. Mais là, c'est comme ils veulent ça planétaire. Mais dans le sens que les gros vont manger les petits. C'est voulu. Ils mettent la table pour ça. Mais pour ça, faut qu'il y ait des faillites. Pour ça, faut tuer l'économie. Pour ça, faut la geler. Parce qu'il continue à avoir des coûts quand même. Il y a plein de compagnies en ce moment qui ne font pas d'argent. Il faut qu'ils louent de leur bureau. Il faut qu'ils aient un bail. Puis l'aide gouvernementale, ça en plus, ça va. Allons, ça fait que tout va être détruit à long terme si on reste dans le même paradigme économique. Là, parce que là, on va être endetté pour. Oui, bien, c'est ça. L'endettement est passé de 300 à 500 milliards pour le Canada et la crise n'est pas encore finie. Puis on parle de fermeture là, de petites et moyennes entreprises là, à la grandeur du Canada. Puis je sais que c'est la même chose pour d'autres pays aussi. Donc, par rapport à tout ça, l'intérêt de ceux qui sont haut placés, qui ont de l'influence sur l'échiquier international, de ce que je comprends, de ce que tu nous dis, c'est d'amener un changement, une mutation de l'économie. C'est que c'est plus qu'une mutation de l'économie, c'est on passe d'un paradigme à un autre au niveau de comment on gère les populations. Parce que les gens sont, je veux dire, ça a tout le temps été de la gestion. Mais c'est basé surtout sur le monde des images. Parce que c'est pour ça que. Parce que ça a l'air ridicule, mais tout ça commence un peu comme il y a longtemps. Il fallait gérer, admettons qu'il y avait des populations autour d'un fleuve, c'est là que les civilisations commençaient souvent parce que il y a des gens qui étaient, je veux dire, à un moment donné, c'était du chamanisme, mais c'est passé vers une sorte de système qui fait que c'est devenu plus des religions organisées, mais liées à organiser la nature. C'était la science de comment organiser les crues d'un fleuve, puis que tu fais croire à une population que. C'est parce que tu comprends les lois que, en tout cas, mais c'est la même affaire, c'est la même chose. Là, c'est au nom de la science que, puis d'une compréhension qu'une science que d'autres auraient, qu'on leur donne, mais ça va plus loin que ça parce qu'il y a des mécaniques sociales, animales. C'est un médecin, même s'il dit des conneries, le fait que c'est un médecin, ça a déjà l'air moins con ce qu'il dit. À moins d'être pour quelqu'un de naïf, là. Mais peu importe, là, que Bien, ça c'est peut sûr qu'il y a être un des effets scientifique. d'impression. C'est sûr que si on voit un médecin qui parle à la télévision avec le sarrau, un peu comme le pharmacien, bien, avec cet habit-là, il y a plus d'autorité que quelqu'un qui est habillé avec un T-shirt. Oh, c'est encore. Ça va plus loin que ça, parce que quand quelqu'un fait partie. Comment je pourrais dire ça, d'un cercle social, il va avoir un phénomène vibratoire lié à ça. C'est pour ça, des fois, ça se sent. On sent des fois, la personne, on ne le connaît pas, le monsieur, mais on sent qu'il est. C'est. Puis aussi, aussi, ça se donne des cours de sociologie entre eux, là, appliqués. C'est pas fait n'importe comment, même si ça a l'air fait n'importe comment, là. Mais ils ont toutes des connaissances. C'est des connaissances. C'est ça qui fait les castes, les connaissances, c'est la différence au niveau de l'information à laquelle tu as accès, c'est ça qui fait qu'il y a différents paliers dans une société. Exactement. Parlant de palier dans la société, je voulais quand même te poser la question par rapport au Forum économique mondial
qui eux autres se rassemblent en Suisse, à Genève, là, à chaque année, pour discuter de questions économiques, des politiciens, il y a des scientifiques, il y a des journalistes. Eh bien, eux autres, il y a des questions qui visent à faire une réinitialisation de l'économie post-COVID en vue de l'atteinte des 17 objectifs globaux pour 2030. Donc, par rapport à cet agenda où ce qu'on vise une réforme de la société en disant que, bon, suite au COVID, le monde ne sera plus pareil, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, moi, je vois l'Angleterre là-dedans. Ben, des affaires liées à l'Angleterre. Le prince Charles, puis sa patate. Désolé, mais c'est un peu ça. Tu sais, je veux dire, c'est des histoires, ça fait longtemps que c'est. En tout cas, je veux dire, c'est pas normal que ça soit la façon dont c'est fait, puis que c'est présenté. Puis, moi, je trouve ça étrange, là. Je veux dire, pourquoi le prince Charles est tellement important là-dedans? Je trouve ça étrange. Je vois pas, même au niveau symbolique, je vois pas ce que ça vient. Puis, si on regarde l'histoire. On dirait qu'il y a une continuité. En tout cas, il y en a qui l'avaient vu venir, celle-là, mais moi, l'économie, c'est pas la partie que je trouve la plus intéressante. Je connais moins ça un peu, mais j'ai de Bien, les l'intérêt quand implications peuvent même. être intéressantes à voir. C'est-à-dire que si les États-nations comme le Canada, la France et autres s'endettent à vitesse grand V, à plusieurs milliards, bien, la réinitialisation, le reset économique, un peu comme une machine qui ne fonctionne plus, puis il faut que tu mettes en place un autre système, comme une espèce d'Internet 2.0. Bien là, quand on parle, par exemple, du développement de la monnaie numérique qui pourrait remplacer éventuellement la monnaie papier, puis la monnaie des États-nations avec une seule monnaie économique, avec une seule monnaie mondiale, électronique, puis on parle que ça pourrait être une monnaie cryptée, un peu comme Ben le oui, Bitcoin. c'est sûr. Parce que c'est les physiocrates. Je veux dire, c'est l'aboutissement de la cybernétique. Je veux dire, au sens qu'on s'en va vers une sorte de. Juste l'argent. L'argent, je parle pas comme une monnaie frappée dans un métal précieux, mais juste un billet qui est bon, un billet de banque ou des chiffres dans un compte qui. On est dans du virtuel. Donc, c'est de la magie. Parce que c'est ça, la magie. C'est quand tu as une science du virtuel, de ce qui existe dans le subtil, comme les pensées, c'est un plan subtil, si on peut dire, le monde des pensées. Oui. Puis que tu te sers du virtuel pour agir sur le concret du plan matériel. Oui. Qu'est-ce qui fait que l'argent de valeur, c'est un consensus? Social, c'est-à-dire une programmation collective d'accorder une valeur à ça, puis au nom de ça, on peut commettre des exactions ou nuire, ou faire du bien, ou peu importe, là, c'est pas l'affaire de polariser ça. Mais c'est ça, c'est l'aboutissement de ce que je parlais tantôt, là, ceux qui ont la science de contrôler les crues d'un fleuve. C'est la même chose. C'est la vraie magie, concrètement, c'est la vraie science occulte, c'est la capacité par le côté abstrait d'une connaissance à créer des structures pour détourner l'énergie et agir dans le temps et l'espace à partir de, par exemple, l'intellect. C'est ça de la magie. C'est de manipuler à partir d'un plan plus subtil que celui qui est physique. Ben oui. C'est par une connaissance de certaines lois, d'être capable d'avoir du contrôle sur dans le concret, qui n'est pas le virtuel. Mais le virtuel devient concret, parce que c'est la science de matérialiser quasiment, je dirais, de contrôler la matière quelque part, mais c'est la façon au niveau de la connaissance des anciennes initiations. L'évolution, c'est ça, parce que ça passe par de la connaissance. Ou des aptitudes liées à une génétique, ou peu importe. Mais il reste que on est là-dedans, là, par-dessus la tête. Puis ça a été entouré d'un fatras de toutes sortes de cas pour cacher, là, parce que c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est crypté. Cette connaissance-là, elle est cryptée. Tu ne transmets pas ça de même, parce que si tu la donnes aux masses, ça ne sert plus à rien. De toute façon, ils ne sont pas capables de l'absorber aussi. Oh, c'est moins compliqué que. C'est plus facile à.
C'est parce que s'il n'y avait pas l'espèce de conditionnement de masse par ce qu'on pourrait appeler les influences, et ça serait plus évident, ces choses-là, mais c'est comme le système d'éducation publique, il y a une sorte de mécanique, ça ne va jamais dans cette direction-là, à voir les choses au sens d'un logiciel comme ça, de traitement de l'information par rapport à la réalité de comment ça fonctionne, puis concrètement, qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est pas normal que des banquiers puissent faire des... En tout cas, il y a des choses qui se font qui ont des répercussions extrêmement graves au niveau du concret. Puis c'est lié à des mondes structurés, virtuels, consensuels, Qui échappe qui n'ont rien... Oui, ben c'est un petit peu comme la compréhension du plan éthérique et du plan astral qui échappe à la plupart des gens qui sont pas conscients de ça, qu'il existe des entités dans ces réalités. Ben c'est parce que le pouvoir, c'est l'information. Si tout est détourné tout le temps, parce que si on regarde, mettons, il y a certaines informations, on pourrait dire que c'est censuré, mais l'information est détournée, mais encore plus haut que... Bon, ben, c'est le même principe. Parce que l'enjeu, c'est l'énergie. Puis bon, il y a une sorte de... Il y a de la con. Comment je pourrais dire ça? C'est dynamique, là. Ça ressemble à la nature. Oui, exactement. Mais il y a des gens qui vont implanter des nouveaux systèmes dans nos sociétés qui auraient une compréhension des lois fondamentales de la vie, une compréhension causale de qu'est-ce qui permet d'agir sur la matière. Il y a beaucoup de choses qui sont connues, mais c'est juste que c'est pas public. Mais. Je veux dire, comment qu'on apporterait une compréhension, puis le ciel est détourné. Mais là, c'est comme on peut dire en ce moment, la connaissance augmente. Oui, ben on voit ça sur Internet, là, beaucoup d'informations qui sont diffusées. Ouais. Puis ça, c'est même, ça comprend, ça a été dit il y a longtemps au sens, je dirais, là, apocalyptique du terme. L'augmentation de la connaissance dans la fin d'un cycle. Mais c'est vu que c'est certain que la connaissance augmente. Il y a certaines personnes, mais c'est selon leur contexte à eux. Mais la connaissance augmente, puis c'est global. En même temps qu'il y a de plus en plus de... Plus la connaissance augmente, plus t'en as qui détourne. C'est toujours... Il y a plus... Il y a de... Le terrain est encore plus Ben oui, large ben pour c'est sûr qu'il y a une plus que guerre. d'informations disponibles, plus qu'il peut y avoir de la manipulation de cette C'est ça. information-là et des informations en contrepartie. C'est comme plus que de virus, plus qu'il peut y avoir d'antivirus électro-informatique pour faire face aux virus qui circulent sur le web. Donc, c'est ça. Puis, comment est-ce que... Je pense qu'il y en a sûrement qui ont dû se désillusionner par rapport à se rendre compte que au niveau de la vue, de ce qui se passe, de l'observation, ça n'a rien à voir avec l'intellect. C'est pas l'intelligence intellectuelle. Il y a des gens extrêmement brillants en ce moment qui comprennent rien. Puis il y en a d'autres plus simples, puis ils voient plus clair. Puis c'est pas intellectuel, c'est pas de l'intelligence à ce niveau-là. Je veux dire. Puis là, c'est sûr, on se désillusionne. Il y en a, ils vont se désillusionner parce qu'ils essaient d'ouvrir les yeux à des gens qu'ils sont... Ça donne rien. Non, qui ne sont pas prêts nécessairement à recevoir l'information. Puis c'est sûr que quelque part, de vouloir évangéliser les autres ou les sauver par rapport à la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est une perte de temps assez futile. Ben, c'est que il y a un travail qui a été fait. Il y a un travail qui a été fait. Même quelqu'un de vraiment brillant, puis s'il est dans un mode de, comment je pourrais dire ça, c'est la façon de traiter l'information, c'est tout. Puis il y en a pour qui tout ce qui est dit en ce moment, ça, ils vont toujours le rationaliser dans leur tête pour donner raison aux autorités parce que c'est rassurant, puis au fond, ils ont peur. La même chose sur ceux qui contestent tout. Il y a une peur, un besoin de rationaliser ce qui se passe, de donner un nom, puis d'essayer d'avoir des repères. Mais
C'est terrible parce que c'est la même histoire qui se répète tout le temps, mais là, ça s'intensifie. C'est comme une spirale qui est un peu comme Qui quand monte en intensité, là. c'est comme l'eau du drain qui s'écoule dans le drain d'un bain. Moins il y a d'eau, plus ça va vite. Plus le tourbillon va vite. Oui, exactement. Mais c'est sûr que parlant d'intensification, ici au Québec, de ce qu'on vit, c'est qu'il y a eu un système d'alerte qui a été implanté il y a quelques semaines. Et rapidement, la région où je suis, comme beaucoup de Québécois, est passée du vert au jaune. En fait, au début, c'était jaune déjà. Ensuite, au orange, au rouge. Puis là, je me pose la question, la prochaine étape, est-ce que ça va être de passer au brun parce qu'on va être dans marde? Non, ben, peut-être même il y aurait blanc. Il y a beaucoup de systèmes comme ça de couleurs que le top, c'est le code blanc. C'est le blanc, pas le rouge, le pire. OK. Ouais. Ben, là, on voit qu'il y a il y a une fuite vers l'avant, quoi. Puis la petite accalmie, là, est finie. Puis Ouais, c'est ben on a discuté tranquillement, ils font ça ensemble. tranquillement. Ce que les gens qu'il faut que sachent, c'est que depuis notre dernier enregistrement, tu sais, on avait fait des échanges ensemble sur Skype, puis tu disais, là, c'est l'entracte avant de l'autre acte. Puis je suis obligé de te donner raison, puis c'est entre autres la raison, entre autres, pour laquelle je te parle, parce que là, on est dans le deuxième acte, un peu comme dans un film, on est dans la deuxième vague, sauf avec des règles encore plus coercitives. Là, les policiers peuvent donner des contraventions de 1 500 $ pour les gens à l'intérieur qui ne portent pas le masque dans les lieux publics ou même les manifestants. Par la suite, il y a eu d'autres règles qui se sont implantées, là, qui sont un peu plus rigides que dans la première vague, là. Oui, ben c'est sûr. Ben, Madame Guilbeault, elle n'arrêtait pas de dire, c'est sûr que nous voulons. Elle n'arrêtait pas de vouloir La sécurité des montrer. citoyens. Oui. Puis c'est un discours beaucoup là-dessus. Fait que là, les policiers vont pouvoir rentrer dans les domiciles avec des télémandats pour donner des mandats à des gens qui se réuniraient illégalement. Les policiers sont pas très à l'aise avec ça. Ben, je peux De ce que je comprendre. connais du milieu policier, là, il y en a bien, ils sont pas contents. Ben, je peux très bien Ça comprendre. leur tente pas. Ben, c'est sûr. Ou bien donner des contraventions dans des cours d'école à des enfants de 14 ans et plus peuvent avoir des contraventions de 500 $ parce qu'ils sont à moins de 2 mètres de d'autres élèves. Puis là, on parle d'enfants, là. Tu sais, moi, en tout cas, je trouve que c'est quand même assez extrême, là, comme règle. Ma mère, elle pense qu'ils vont finir par vouloir que ce soit des militaires. C'est spécial, ça me surprend un peu, là, venant d'elle. Mais elle pense que, parce que les policiers, c'est assez con. Je veux dire, il y a des sûretés municipales, il n'y a pas juste la SQ, puis il y a différents syndicats, puis ils vont avoir de la misère, là. J'écoutais M. Legault, il disait, disons, ça va être très, très difficile pour les policiers. Puis moi, ce que je comprenais là-dedans, c'est on sait qu'on va avoir beaucoup de difficultés avec les policiers. Ben oui, parce que des policiers québécois, ils peuvent avoir eux-mêmes des enfants. Tu sais, toi, est-ce que tu donnerais une contravention de 500 $ à ton enfant de 14 ans? Ça leur tente pas. Ben non. Ils sont Ce que ça putain. prendrait, ça serait une force mondialiste en collaboration avec Ça. l'ONU, avec des gens qui proviennent de d'autres pays, qui ne sont pas impliqués émotivement avec leur famille à des endroits où ce qui vont être dépêchés Ben oui. pour jouer les gros bras. Mais même là, ça va prendre vraiment du monde qui ont subi tout un entraînement pour être déconnecté. Parce que même si tu viens d'un autre pays, quand tu défonces dans une maison, puis que tu es capable de reconnaître une famille, là, du monde honnête, puis ça ne te tente pas plus, même s'ils ne parlent pas la même langue, là. Donc, il faut qu'il y ait une sélection, faut il faut qu'il y ait un entraînement, faut il faut qu'il y ait une programmation pour devenir comme ça. Puis je pense qu'on n'est pas rendu là, parce que pour se rendre là, ça va prendre. Ben là, Plusieurs rendu vagues. On est dans le deuxième épisode. C'est comme dans un film. Tu sais, t'as Terminator 1, là. Ouais. Terminator 2. Terminator 2, là, il y a des capacités qu'il n'y avait pas avant le T-1000, là. Il peut changer en liquide. Puis là, peut-être que quand on va être rendu à la quatrième ou cinquième vague, s'ils nous créent ça parce qu'ils sont créatifs, on va peut-être assister à des choses que même maintenant, on n'imaginerait pas. Ben, c'est qu'il n'y a pas juste. Mais même là, ça se pourrait que ça. Je veux dire, il va avoir à un moment donné une autre petite accalmie, probablement, mais pas là, là. Moi, ce que j'ai Mais. fait comme prédiction, puis je ne demande pas de me croire,
Mais c'est que l'histoire que le 28 jours, là, que donnez un coup là, intense pendant 28 jours, là, soyez prudent, puis réduisez vos contacts hors unité familiale, puis après ça, on va sortir de la zone rouge. Pour moi, c'est un leurre, puis j'ai l'impression qu'on va passer tout l'hiver en confinement, les principales régions, la région entourant la ville de Québec, Montréal, puis ça ne sera pas avant le mois de mai, puis l'été, qu'il va y avoir peut-être une petite accalmie, mais honnêtement, j'espère me tromper. Bien, ça dépend peut-être aussi du contexte politique qu'on va avoir. Puis, je veux dire, peut-être que là, c'est lié un peu aux élections américaines, beaucoup. Ben Mais écoute, bon, c'est là. quasiment comme un film. Moi, je disais à ma compagne il y a quelques jours en écoutant le bulletin de nouvelles, j'ai dit, c'est comme si c'était une mise en scène où un mois avant les élections américaines, on nous annonce que Donald Trump est atteint du coronavirus et on nous annonce qu'il va avoir un traitement spécial, expérimental, qui va être testé sur lui. Ouais, ben là, c'est là que j'ai sourcillé parce qu'il y a un des médicaments qui est administré, que c'est un laboratoire, que bon. Non, là, je suis Moi, peut-être je pas serais sûr confiant qu'on si nous. c'est vrai, là. Mais en tout cas, les bulletins présentés dans les médias de masse, nos véhicules qui subissent un traitement particulier. Puis moi, j'ai l'impression qu'on pourrait s'y réussir à passer au travers parce que là, il est comme le victime du coronavirus. Puis là, c'est guéri. Puis grâce à ce traitement-là, qui pourrait commercialiser par la suite, puis vendre ça un peu partout dans le monde, à être le sauveur de l'humanité, rien de moins. Ben, moi, j'ai jamais eu une totale confiance en Trump. Il y en a qui sont très. Mais non, parce que Trump, soit qu'il va être polarisé comme un bourreau, une victime ou un sauveur, il est comme il me fait penser quasiment à des petites formes en bois qu'on met dans des casse-têtes pour bébé, tellement qu'il s'adapte bien à chaque rôle. Puis, j'ai pas une confiance. À un moment donné, Bernard, il dit, oh, ce personnage, il parlait de. Des fois, je me demande si c'est pas lui. Puis c'est drôle parce que normalement, M. Trump, il n'a pas les origines. Bon, c'est peut-être M. Trump qui est. Moi, j'aime pas plus les démocrates, là. J'aime pas parce je. Peu importe qui, c'est tout le temps. Oui, ben moi, je suis critique par rapport à tous les partis et les candidats, que ce soit aux États-Unis ou au Québec ou peu importe, partout dans le monde. Sauf que là, ce qui est particulier, c'est qu'un mois avant les élections américaines, pour le 1er novembre, on nous annonce publiquement, comme un coup de théâtre, qu'il est atteint du coronavirus. Et par la suite, ben c'est sûr que ça peut lui permettre d'aller chercher du capital de sympathie, peut-être de certains électeurs, en le présentant comme étant une victime du virus chinois. Qualifié à plusieurs reprises. Ça, il y a quelque chose là-dedans. C'est comme ben, moi, quand j'ai connu M. Trump, c'est dans les années 80, il passait à les gens riches et célèbres, puis dans ce temps-là, il était avec sa première femme, là, Ivana Trump. Puis aujourd'hui, j'ai vu qu'elle s'inquiétait pour lui, puis ben, j'ai trouvé ça. Ça, il y a quelque chose c'est tout le temps de la mise en scène. C'est, bon, en tout cas, tu dis de ne pas croire, ben moi, j'ai. Elle s'inquiète. Depuis quand qu'elle s'inquiète pour lui, elle le connaît. Non, c'est ça. Mais moi, ce que je Voyons. trouve curieux, c'est le timing aussi. C'est-à-dire qu'un mois avant les élections américaines, il ne peut pas attraper le coronavirus au mois de mars, en avril, comme beaucoup de personnes. Mais non, il faut que ça soit un mois à l'avance. Il y a Ça un donne comme sens du ça. timing, ce Mais en monsieur-là. tout cas, ça peut arriver aussi qu'il l'ait En tout cas. attrapé à ce moment-là. Là, je donne quand même le bénéfice du doute. Mais en tout cas, je trouve ça C'est curieux. comme là, le débat, c'était pas bon. Ben, moi, je suis désolé, je l'ai pas trouvé bon, personne. Puis là, je me dis, bon, ben là, il y a le. Tu sais, là, il est malade, Ah, le ben on monde peut l'a pas lui reprocher hospitalisé. de ne pas avoir bien performé au départ. Il est atteint du coronavirus. Il était peut-être en période d'incubation, puis ça aurait affecté Non, ses ben, c'est capacités. que. Peut-être que ça a pas eu. En tout cas, c'est un peu comme. Si ça, c'est pour. Changer l'eau, là. C'est pour faire une transition rapide. Parce que ça a été. J'ai regardé vite fait là, le débat, j'ai regardé un petit peu, puis c'était tellement. J'ai eu de la difficulté à l'écouter parce que c'était sans intérêt.
C'était jamais intéressant. Ben moi, à mes yeux, là, je voyais genre, c'était du blabla. Non, ben moi, je l'ai pas écouté. Je regardais un peu le résumé, puis je voyais deux personnes chamailler, puis je voyais que lui essayait de monopoliser tout le temps la conversation. Fait que je voyais pas de dialogue réel s'installer là, entre les gens qui débattaient. Ben, c'est aussi, on dirait, à un moment donné, je me disais, voyons, est-ce que le débat, c'est avec le chef d'antenne? Parce que M. Trump, il débattait avec des erreurs à ne pas faire dans un débat d'habitude. Puis l'autre aussi, je veux dire, il y avait des erreurs de part et d'autre. Puis ça avait l'air de n'importe quoi, je sais pas. Puis là, il arrive un coup de théâtre comme ça. Ben, c'est certain que c'est comme dans une pièce de théâtre qu'il y a des scènes décevantes, puis on va peut-être mettre plus d'intensité après là, dans les rebondissements. Exactement. Disons Ça que ça serait donne bien. une télésérie qui se déroulerait, puis je serais l'écrivain derrière. J'aurais créé une scène à la fin de l'épisode, avant que la saison prenne fin, où ce que je dirais que le président des Américains, des États-Unis, on vient d'apprendre qu'il est atteint du coronavirus. Puis je dirais la suite lors de la prochaine saison pour garder les gens en haleine pour voir qu'est-ce qui va arriver. En tout cas, je le sais que pour certaines personnes, M. Trump, c'est le sauveur. C'est sûr qu'idéalement, je souhaiterais qu'il est sincère. Puis bon, mais moi, je crois pas. Mais je peux pas, là. Quand il a été élu, j'étais enthousiaste parce que j'avais tellement peur qu'il y ait une guerre si le résultat avait été différent pour toutes sortes de raisons. Puis je me suis dit, ah, ben là, ça va créer justement un entracte. Puis je me suis dit, ben ça va être drôle au moins. Puis là, mais là, il reste que ça commence à devenir. C'est moins comique, là. Puis j'ai jamais eu vraiment. Je peux pas avoir confiance en. Oh non, j'ai aucune confiance. Même, t'sais, M. Trump, bon, peut-être que c'est. Mais ben franchement, là, je le sens pas. Ah, moi Puis non. j'espère qu'il Ouais. va être élu, mais. Il suit quand même. Il aide à. Je veux dire, c'est un peu comme si, il servait d'antagoniste, mais c'est scénarisé pour continuer avec le récit. Ben, il porte le chapeau, je veux dire, il joue son rôle. Puis c'est tellement bien joué que j'y crois pas, là. C'est trop. Puis c'est ridicule. Il y a des fois, j'ai l'impression de grotesque de tout ça. Puis c'est plus. Non, moi, j'ai pas. Tout ce que je suis. Oh non, vraiment, là-dessus, là, je suis congé. J'ai pas vraiment d'opinion sur mes. J'ai jamais eu confiance en nos voisins du Sud, ni nous-mêmes, ni Ouais, de nos des propres commerçants, dirigeants. personne. Ben oui, parce que c'est les mêmes. Exactement. C'est un peu comme. C'est comme là, on nous fait. C'est comme l'échiquier mondial. L'échiquier mondial, là, la Chine, elle serait de. Voyons, là. Les communistes chinois, ils ont été financés. Puis ils ont les mêmes. Je veux dire, les FMI. Puis c'est les mêmes. Puis qui a créé l'Arabie Saoudite, là, c'est comme tu disais, vérifié par vous-même, le rôle que l'Angleterre a joué pour les Saouds, puis aussi la création de l'État d'Israël, le rôle des Britanniques, puis de voir à quel point c'est au fond, c'est. Nous allons assister à la cybernétisation d'un système, d'une forme Oui, de puis néolibéralisme rendu à son apogée, qu'on pourrait dire ce qui va être la fine pointe des sciences de domination puis de contrôle sur Terre. C'est-à-dire, c'était pris. Ben, moi, j'ai jamais. Au niveau là, des gens qui ont canalisé pour le futur, puis. Ça revient, ça, tout le temps. À moins de des affaires à un moment donné, il y a eu une mode là, dans les fins 70, début 80, là, le channeling. Ouais.
Puis Nancy Reagan, puis l'autre, comment elle s'appelait l'actrice, Shirley MacLaine. Puis dans ces années-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de canalisations de choses que je considère comme des tu sais, quand c'est très enthousiaste, là, puis que ça nous prédit un monde idyllique qui était proche. Moi, ça, je rejette tout de suite, je sais que c'est pas ça. Non, je comprends. C'est pas un monde fleur bleue qui nous guette. Et c'est sûr que par rapport à ça, la Chine, j'ai l'impression qu'elle sert de population expérimentale par rapport à l'implantation du système de crédit Oui. social. Vous Ah, voulez. c'est le laboratoire. Au niveau là, international, quand il y a eu, après la guerre de l'opium, ce qui voulait surtout pas dans le monde, les Occidentaux, entre autres, c'était une Chine nationaliste où il y aurait eu encore une continuité de ce qu'on pourrait appeler une autonomie au niveau de la gestion des ressources, des richesses. Puis donc, c'est là qu'il y a eu. Parce que le communisme, c'est quelque chose qui a été financé pour être entré en Chine, là, comme ça, là. Il a fallu le. Puis c'est là que c'est à faire attention parce qu'on a affaire à une fausse polarité. Des supposés ennemis, que c'est même pas des ennemis. L'ennemi, c'est nous autres, on le sait pas. Puis ceux qu'on dit être nos ennemis, c'est des laboratoires ou différentes expériences de contrôle social ont un peu parti. Je veux dire, c'est. C'est ça, mais derrière ça, est-ce que justement la Chine aurait été financée par des démocraties occidentales? Je dirais là, le communisme chinois. Quand il y a eu, quand Mao, là, il a fait sa. Sa révolution. Ouais, puis sa campagne avant, puis. Ce Ça serait a quel été pays qui aurait financé de financé l'extérieur. ça? Ben, c'est plusieurs pays. OK. C'est toujours plusieurs pays parce qu'on a affaire à des gens qui sont pas attachés à un seul pays. Puis je veux dire, ça fait longtemps, puis c'est les mêmes. Mais il y a un peu, je dirais, il y a beaucoup. C'est un peu comme la chute des Romanov en Russie, ceux qui veulent vérifier par eux-mêmes le rôle des services anglais là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il peut y avoir des opérations justement où ce que d'un côté, on nous donne l'impression que, par exemple, il y a eu la guerre froide avec le bloc de l'Est et de l'Ouest, mais en réalité, si les financiers derrière les deux blocs étaient les mêmes, c'était juste Ben. des apparences pour créer une tension mondiale. Parce que c'est ça justifie en plus des budgets pour de la recherche surtout. Pour Exactement. justement, les découvertes vont, l'information est gardée et détournée. Quand les gens, là, désolé, là, mais c'est tout le temps avec, c'est un peu comme, tu fais creuser la tombe à la personne que tu veux mettre dedans en lui disant que c'est pour quelqu'un d'autre. Puis. Moi, je vois ça comme ça. Parce que quand il va y avoir de la répression, toutes ces choses, les balles de plastique, des anti-émeutes, puis c'est comme ce qui est arrivé à Rimouski. Les policiers qui ont été déployés là, absolument pour rien, que ça a dû coûter très cher, c'est avec l'argent des gens. C'est les gens qui financent leur. Puis qui justifient même, puis qui. D'un bout à l'autre, il n'y a absolument rien qui est honnête. Ben, c'est Puis comme la ça victime qui remonte à. finance son bourreau. C'est ça. Fait que c'est sûr que, parce que pour mettre en contexte les gens qui nous écoutent, il y a à peine quelques jours, il y a eu une manifestation importante qui a eu cours à Rimouski pour s'opposer aux mesures sanitaires et notamment le port du masque et à la différence de d'autres manifestations, eh bien, les policiers avaient pour ordre de donner des amendes aux gens qui portaient pas les masques à l'extérieur. S'ils ne voulaient pas obtempérer avec les ordres, soit se disperser ou porter le masque. Et puis, c'est sûr que ça a créé des tensions importantes parce qu'il a fallu qu'ils mettent fin à la manifestation. Bien, ce qu'il y a d'étrange là-dedans, c'est la manifestation a été déclarée illégale. Oui. Puis à chaque fois que je l'ai vu rapporter, j'ai pas regardé beaucoup, mais c'était comme si c'était Arruda qui avait déclaré la manifestation illégale. Puis au niveau de la façon dont notre système est structuré, c'est
Lui, il peut faire des recommandations, puis ensuite, un autre palier, c'est déclaré légal ou pas. Là, je me dis, voyons, il est-tu rendu, il n'est pas la sécurité publique, lui, il n'est pas le... C'est quoi, là? Exactement. Puis surtout qu'il n'y avait pas eu de grabuge. Tu sais, il n'y a pas Ah eu de non, les magasins qui ont été gens... saccagés, il n'y a pas eu de statues qui ont été détruites, d'auto Ah ben incendiées. là, de ça, ils les auraient laissé faire. Ben, quand que c'est contre, dans le fond, le racisme systémique ou Black Lives Matter, c'est important, bon, pour moi, là, que lutter contre le racisme, là, naturellement. Mais quand c'est des causes Ben comme oui, ça, mais ils ne là, parlent c'est pas. parce que la lutte contre le colonialisme et le racisme est en train de servir de prétexte pour la déconstruction des sociétés de droit occidental comme elles étaient. Il y aurait moyen de faire une transition, faire quelque chose de mieux sans tout détruire. C'est Mais c'est ça, des inepties, là. C'est. pourquoi Ben qu'il parce laisse ces que c'est ça, c'est de la manifestations-là démolition violentes avoir contrôlée. cours? C'est de la démolition contrôlée. Qu'est-ce qu'il disait, Talleyrand? C'est agiter le peuple avant de s'en servir. C'est comme je viens de dire, tu vas faire creuser la tombe à la personne que tu veux mettre dedans. C'est la même chose. C'est. Puis ces gens-là, à chaque fois qu'il y a des groupes qui ont servi comme ça à faire de la démolition contrôlée, une fois que le gros est fait, d'habitude, ils seront pas récompensés, là. Non, non, ils vont être tassés. C'est incroyable la naïveté des. C'est ça. C'est pour ça que c'est le fun de pas Ben. tremper dans rien parce que c'est juste des. C'est le militantisme, bon, j'ai rien contre ça, mais ça dépend tout le temps du niveau de discernement des gens qui militent, ce qu'ils vont faire, à quoi ils servent au fond, sans le savoir souvent. Non, exactement. Mais en tout cas, ce qui était particulier, c'est que, comme le sortait Jonas Collin avec son excellente chaîne YouTube là, de Collin Show, que je propose aux gens d'écouter, c'est qu'il sortait qu'à Montréal, il y a eu des manifestations contre le racisme. Il y a eu des commerces qui ont été saccagés. Il y a même une statue qui a été brisée, vandalisée. Les policiers ils ont pas arrêté ça. Ensuite, les journalistes n'ont pas fait de cas par rapport à ça. Puis quand il y a des manifestations contre les mesures sanitaires, ben là, c'est des cas vidéo, puis ils se font traiter de complotistes, puis ils n'ont pas d'allure, puis c'est des gens qui sont dangereux, etc. Fait que, puis c'est des manifestations pacifiques. C'est ça, c'est deux poids, deux mesures. Il y a Ben, une aberration derrière ça, là. c'est là que ça n'a rien à voir avec du sanitaire, c'est de l'idéologique, du politique, c'est tout. Parce que si vraiment c'est le fait qu'il y a un danger pour les mesures sanitaires, ça serait toutes les manifestations. Mais non, c'est tout ça, c'est politique, en grande partie, là. Puis c'est tout, puis c'est une question de ce qu'on veut mettre de l'avant, puis... Puis le pire, c'est qu'ils en veulent, hein, de l'opposition. Ben, ceux qui dirigent, ben moi j'ai l'impression qu'ils veulent créer une opposition pour justifier encore plus des mesures C'est répressives. ça. Ben oui. Mais là, l'autre, là, la sécurité publique, là, il est le seul à l'ouvre des SS, elle, j'ai l'impression qu'elle ne fait rien que provoquer le monde tout le temps. Puis ça, ben c'est. C'est vraiment, des fois, c'est de la Ben, provocation. Geneviève Guilbeault, je n'irais pas Bon. jusqu'à dire que c'est une louve des SS, là, mais je veux dire Bon. qu'elle a un esprit de contrôle qui est Ben, très moi, présent en je tout cas. sens quelqu'un qui est à sa place, là. Elle est très à l'aise. Très à l'aise. Je serais pas aussi à l'aise qu'elle. À faire. Puis, très, très en juste. Ah non, c'est de la voir assise là, quand il y a une conférence de presse. Là, on sent qu'elle a les deux pieds alignés, puis sur le sol. Puis... C'est quelqu'un de très. Bon, c'est pas mauvais en soi, mais c'est. Moi, je sais bien dommage, là, mais à mes yeux, je vois quelque chose. Il y a en tout cas, quand on aime ce qu'on fait, on le fait très à l'aise. C'est de voir si cette aisance-là va rester, dépendamment de ce qui arrive. Puis si elle va pas, bon, dépendamment de ce qui vient, puis de ce qui va être. Parce que on dirait qu'ils ont pas l'air tout le temps au courant de ce qu'ils vont faire. Ouais, Donc comme ça veut c'était dire des que. pions,
qui était dirigée par d'autres individus occultes qu'on voit, on verra Ça. jamais devant la caméra. Ben, c'est parce que pour se contredire comme ça, c'est parce que on n'est pas toujours. En tout cas, il y a de l'improvisation aussi Ben, en des tout fois, hein, cas, comme si. moi, ce que je peux dire, puis ce que je discutais de ça récemment avec des gens, c'est qu'il y a eu des changements rapides incroyables. Il y a quelques mois, le docteur Horacio Arruda, puis il a été enregistré, il disait, le masque, ça sert à rien. Les gens vont mettre leurs mains dessus, ils vont se contaminer eux-mêmes. Puis quelques mois à peine après, non seulement le masque est obligatoire, puis si tu ne le portes pas à l'intérieur ou lors de manifestations, tu peux avoir une amende de 1 500 $. Oui, Comment? ben c'est comme ce que j'avais dit. Lui, il est allé rationaliser ça en disant c'est parce que les gens devaient apprendre avant à avoir les réflexes de se laver les mains, puis tout. Puis une fois que ça s'est intégré, que les gens se lavent les mains, là, on peut rajouter le masque. Puis il est en train de nous dire que le meilleur moyen d'éduquer la population avec ça, c'était de leur mentir avant. Parce qu'on n'a pas la maturité. On n'a pas la. Puis ça, c'est une rationalisation qui a servi justement à essayer de noyer le poisson par rapport à de l'incohérence. Puis ça, c'en est des techniques, si on pourrait dire, Exactement, pour tilter le sens critique des gens. puis par rapport à ça me fait C'est penser malhonnête, exact, je te laissais c'est parler. irrespectueux de la population. C'est pour ça qu'il y en a qui vont commencer à être de plus en plus irrespectueux de ces gens-là. Puis ça risque de devenir plus. Parce qu'il n'y a pas juste des gens qui vont dire, ben là, il faut rester irréprochable, puis non, non, il y a toutes sortes de monde, là. Il y en a que c'est pas ça leur ligne. Surtout, là, des gens que, eux, pour eux, c'est spirituel aussi. Je parle pas, là, du monde que c'est lié à un mysticisme, gnagnam, mais du monde qui sont dans le concret beaucoup, puis qui sont convaincus. J'en ai écouté un, il disait. L'État pourrait me tuer, mais ce que je dis, c'est la vérité, puis ils ne peuvent pas tuer ça. Là, je reconnais quelqu'un qui est très, très. Comment je pourrais dire ça? On est dans ce qu'on appelle la foi, là. Puis là, s'il n'est plus juste question de manipulation des gens à travers les médias, puis on pourrait parler de l'occulte qui mène à ça, mais il y a de la manipulation partout. Qui va plus loin, là, Exactement. parce que c'est une guerre. C'est une guerre. Puis là, on a différentes forces qui s'affrontent. Puis ça, la mécanique pour des guerres comme ça, c'est la possession. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être mis en vibration pour être des extrémistes, soit d'un bord, soit de l'autre. Puis c'est là que. Il y a un phénomène naturel qui se fait qu'il va y avoir des pertes, il va y avoir des. Puis ça va dynamiser aussi les rapports. Mais de toute façon, en plus, même si tout est surveillé, tout est su sans que ce soit dit, quand il y a des choses comme ça, ils vont laisser faire. C'est là que. C'est très, très subtil, Les gens, là, ils vont servir à alimenter ce qu'ils combattent. Parce que d'un bout à l'autre, y compris eux-mêmes, tout est sous contrôle. Ben justement, par rapport à ça, tu sais, il y a des gens en privé qui m'ont dit, associe-toi pas aux gens qui sont des anti-masques, va pas manifester avec eux autres, puis si t'es combat, ben si tu combats ceux qui sont pro-masques, tu t'inscris dans une dynamique dualiste. Oui, mais d'un autre côté, si tu as la vibration de faire ça, tu vas le faire pareil. C'est pas une question de choix. Il y a des gens que vraiment, s'ils vont pour être capables de garder un équilibre psychologique puis un enthousiasme par rapport au futur, ils n'auront pas le choix de se positionner psychologiquement parce qu'ils ont une identité psychologique. Puis ils pourront pas intégrer un paradigme, une image du monde où ça, c'est cohérent. Puis il va falloir l'énergie liée à la manque par rapport à des besoins, c'est-à-dire la frustration. Il faut que ça s'évacue, ça. C'est là que la façon que c'est fait, veut pas, il va y avoir de l'agitation, il va y avoir du grabuge, il va y avoir. Puis tout le monde, malgré eux, vont finir par être impliqués. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre position, ils vont être obligés.
dans un sens même de pas prendre position, c'est prendre position implicitement, là. Tu sais, c'est comme la personne qui ne dit mot qu'on sent, là. Ben moi, mes yeux, c'est pas moi qui décide. Puis on a affaire à des choses qui dépassent mon entendement par rapport à des guerres qui vont au-delà de l'être humain. Parce que lui, il est l'enjeu beaucoup plus que le protagoniste. Que le protagoniste de la guerre. Il est beaucoup plus l'enjeu, son énergie, son. Puis moi, je peux pas. Je me positionne pas dans le sens où. Je considère que j'ai pas accès à suffisamment d'informations, j'ai pas accès à pour me positionner. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que je vois. Mais par rapport, c'est arrivé tellement souvent dans ma vie de subir des épreuves puis de me rendre compte que c'était important, ça faisait partie de choses que j'avais à vivre. Puis aussi, c'est aussi lié à des cycles naturels. Là, il se passe des choses par rapport à juste la planète, là. Puis un paquet de choses, il n'y a pas juste qui est peut-être provoqué par l'humain, là. Il y a des cycles naturels. Puis en plus, c'est connu, c'est sûr, il y en a qui. C'est depuis la nuit des temps, nous sommes gouvernés par des gens qui sont des faiseurs de calendrier, qui sont très. Ben, c'est sûr que là, à l'agenda, c'était le deuxième confinement qui était prévu pour le mois d'octobre. Et Puis, voilà. par la suite, d'ici 2030, il est prévu d'atteindre les 17 objectifs globaux avec un programme qui vise, en théorie, permettre aux jeunes d'avoir accès à l'éducation, d'éliminer la pauvreté, à réduire la C'est famine. comme Oui. avoir le droit d'avoir accès à la programmation officielle plutôt que d'avoir le droit d'être libre en tant qu'autodidacte et érudit, c'est vu comme bien. Exactement, puis Ça, là, ouais. si on est dans de la. C'est très grave, ça. C'est grave parce que normalement, au niveau de l'instruction, l'individu, il faut que par lui-même, en tout cas, il y a quelque chose là-dedans qui n'a rien à voir avec l'instruction puis de l'éducation, puis il nous présente ça comme un droit. Exactement, On puis est nous. dans l'inversion, dans les jeux avec les formes, avec les images. C'est très, très. Mais là, ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais ça devient. Au moins, avant, on pouvait aller dans une salle d'archives puis faire ses propres recherches. Puis ça va devenir de plus en plus difficile. Et Internet, moi, je trouve ça limité. J'aime mieux les papiers. Ben, je peux te comprendre parce que tout ce qui est numérique peut être crypté puis contrôlé. Puis ça amène une dématérialisation de l'objet de la connaissance, ce qui fait que si un jour quelqu'un décide de faire planter le réseau ou ce qu'un immense choc solaire, puis tout le réseau plante, ben on perd tout. Qu'est-ce qui est sur le réseau? C'est aussi, ben c'est comme ça m'arrive peu souvent maintenant d'aller sur Wikipédia parce que quand je veux aller chercher de l'information sur quelque chose de spécifique ou un sujet qui m'intéresse, plus souvent qu'autrement, ce qui arrive, c'est que Wikipédia n'a pas d'article et me propose d'en rédiger un. Des choses que. Quand j'avais ma bibliothèque complète et puis j'aurais trouvé l'information. Parce que c'est clair que j'ai ça quelque part. J'ai un ouvrage où il va y avoir un petit paragraphe au moins. Mais c'est ce qui est en ligne. Moi, je trouve ça va. C'est pas. On nous vend ça comme quelque chose d'extrêmement vaste, puis c'est de la restriction. Exactement, mais ultimement, c'est pas la bibliothèque numérique ou de papier qui est importante, mais c'est plutôt l'accès psychique de l'individu aux archives universelles sur le plan éthérique, s'il peut se qualifier vibratoirement pour avoir la capacité d'interception psychique. Ben là, je vois ça plus lié à une sensibilité, puis à une capacité aussi à sortir de certaines programmations liées à notre expérience. Il faut perdre la mémoire à un moment donné. Mais est-ce que c'est une qualification? Est-ce qu'on a vraiment à se qualifier?
Ben, Il y a des l'individu choses va qu'on sait, mais passer une c'est... initiation pour accéder au savoir. Le savoir n'y est pas donné, il faut qu'il le prenne. Ça dépend. OK. Je vois quelque chose de... Il y a des gens, on dirait qu'ils sont génétiquement plus aptes. On dirait que c'est de naissance. C'est un peu comme un don ou un talent. Des fois, puis c'est pas lié tant que ça à des qualités. Il y a des... J'ai entendu trop de choses. J'ai vu trop de phénomènes inattendus par rapport à la parole chez des gens ou des choses qu'ils savaient. Que ça s'explique pas par la qualification, par l'initiation. OK. J'arrive pas à... Il y a quelque chose là-dedans de... Parce que si... Ça n'a pas rapport avec le mérite au sens psychologique non plus. Il y a du monde, ils ont accès à des choses et puis c'est pas lié au fait qu'ils le méritent ou pas. C'est une question plus de programmation, peut-être de nature, de génétique, de Programmation sens. psychique aussi. Ben, ça revient à mes yeux, comme par exemple le code génétique, c'est une cristallisation de la programmation. À mes yeux, toutes les programmations sont... C'est comme si tu as une programmation générale d'un individu, mais qu'il y a des aspects différents dans différentes choses, mais c'est tout le temps la même, parce que c'est lié à ce qui est en dehors de l'espace-temps. Je vois ça comme une cristallisation. Je vois pas de différence entre un individu... Sa programmation psychologique, sa programmation psychique, sa programmation génétique, pour moi, c'est la même chose, mais dans trois aspects. Qui se rapporte à sa multidimensionnalité et l'unicité de son être. Ben oui, parce que c'est une programmation, une incarnation. C'est pas... Puis là, c'est pas pareil comme ce que je parlais, la programmation par les états des masses, là. Ça, c'est du conditionnement. Qui n'est pas la même chose, mais c'est de la programmation quand même. Mais c'est pas au même niveau parce que là, c'est plus lié. C'est pas pareil, c'est un phénomène social. Mais Oui, ben, l'incarnation, c'est un phénomène qui va au-delà de ça. c'est un phénomène en relation avec le plan éthérique, entre autres, tandis que la programmation des masses, on voit ça sur le plan physique. Mais il y a beaucoup d'invisibles là-dedans. C'est sûr. Pourquoi, quand rendu à certains niveaux dans la société, il y a tellement d'importance accordée à la numérologie, au cycle de l'année? C'est parce que, vibratoirement, puis pour des raisons là, de la façon dont, comment je pourrais dire ça, l'astral, c'est. Ça date, ça vient pas au monde maintenant, c'est de la mémoire, il y a des vieilles choses qui reviennent tout le temps. Puis on appelle ça des atavismes. Puis ça peut se manifester de toutes sortes de façons. Puis le cycle actuel, les premières civilisations organisées du cycle actuel étaient liées à des psychologisations du chamanisme, puis une naissance de religions agraires. Avec des prêtres rois, là, le politique, puis le religieux étaient liés. Puis ça va toujours être lié à l'architecture aussi, à cause de la géomancie, puis des possibilités d'accentuer certains phénomènes par la construction ou une connaissance. On voit ça beaucoup chez les Chinois, là, entre autres, mais ils ont ça de partout. Au début, c'était comme des tubes. Ben, c'est un peu comme il y a des phénomènes qui se passent dans des lieux qui sont des espèces de phénomènes psychiques qu'on pourrait dire des pseudo-phénomènes de hantise ou de poltergeist. Puis souvent, ça va être lié au fait qu'il y a eu des rénovations. Si, il y a quelque chose de lié à une connaissance de la façon de condenser. Puis, la Terre étant. Il y a quelque chose qui est lié à l'électromagnétisme. Mais. L'incarnation aussi, c'est ce qui a, tu sais, ce que l'âme, ça vient d'anima, puis animé, puis il y a quelque chose d'un électromagnétisme qui fait que qu'on est animé, là. Il y a quelque chose d'électromagnétique dans le phénomène du vivant. Puis, tout ça, c'est tout lié. Comment je pourrais dire ça?
C'est sûr que c'est tout lié. Je veux dire, c'est pour ça que, au niveau, là, quand on veut changer d'un paradigme à un autre, c'est normal, par exemple, qu'il va y avoir des changements architecturaux. D'où la légende, là, que Néron aurait fait mille feux à Rome pour reconstruire. Mais je dis pas que c'est un phénomène réel historiquement. Ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose qui est exprimé là-dedans qui est réel. Quand on veut changer de société, mettons les prêtres-rois, là, qu'eux, ils savent comment gérer les crues du fleuve, comme je parlais, puis qu'il y a tout un fatras lié à un monde des images qui va être présenté comme, si on peut dire, une science. Ben, ce qui se passe en ce moment, moi, ce que je vois, c'est ça. C'est la même chose qui se répète. Puis les gens qui font ça, ils ont des comportements extrêmement anciens, mais je soupçonne qu'ils ne le savent pas. Je soupçonne qu'ils ne savent pas d'où ça vient. C'est un peu comme la troisième race racine, là, celle qui aurait sécrété, si on peut dire, l'astral en tant qu'espace topologique, mais pas au sens matériel, mais un espace hyperbolique pour l'information, pour que l'information expérimentale s'accumule dans ce qu'on pourrait appeler l'électromagnétisme qui entoure la Terre, si tu veux. Parce qu'on le veuille ou pas, on est lié à ça. Je veux dire, la planète, ce qui arrive à la planète en tant qu'organisme vivant, parce que c'est pour ça, la géomancie, c'est un peu comme des points d'acupuncture, puis il y a des lignes. Oui, avec des méridiens, avec certains Ouais. points sur la Terre, des ondes d'énergie, oui. Bon, ben, quand que la Terre, elle va passer d'un cycle à un autre, il y a des répercussions pour nous. Parce que vibratoirement, on baigne là-dedans. Mais il y a Exactement. aussi les parasites des mémoires des humanités passées. Qu'eux autres, leur cycle est fini. Puis, eux, là, ils sont juste dans de la mémoire. Parce ils sont coupés des circuits universels, mettons, là, tu sais. Puis l'être humain, lui, actuel, Oui. il a une capacité de repluguer avec ça, puis il est jalousé, puis il est haï par des mémoires qui baignent dans l'orgueil mémoriel de la connaissance, mettons, là. Oui, mais Tu si sais, c'est on prend difficile des d'expliquer. gens de d'autres civilisations, comme des gens qui ont vécu en Atlantide, puis eux autres, ils ont eu accès de leur vivant à un certain niveau de connaissance, ils ont accès à un certain niveau d'archives présentement sur le plan astral, par contre, ils sont plafonnés. C'est comme s'ils n'avaient pas accès à la matrice 2.0, ils n'ont pas accès à l'Internet psychique haute Parce vitesse. que, à un moment donné, quand on sait que l'infini, fini, il faut détruire les égos, ils ne servent plus. Puis, c'est dans la Ben, je nature parlerai pas de détruire les égos dans mon animale. cas, je parlerai de Non, c'est une reconfigurer façon de les parler. égos à une nouvelle matrice. C'est une façon de parler. L'identité individuelle psychologique, c'est à ce niveau-là, je veux dire. OK. Bon, ça, à un moment donné, quand le cycle de quelque chose est fini, ça, c'est détruit, puis il redevient esprit, puis. Mais il y a quelque chose au niveau de l'instinct de préservation qui vient de l'animalité, puis qui est là, qui est lié au planétaire, qui fait que dans ce qu'on pourrait appeler là, la couche magnétique, où il y a de la mémoire d'enregistrer, puis la mémoire expérimentale planétaire, même d'humanité, qui n'existe plus, il y a ça, là, il y a cette espèce d'instinct de préservation-là qui est encore là, qui entretient des mémoires. Parce que après, tu arrives à la quatrième race, c'est un peu. Là, on va, c'est plus loin que là, il y a fabrication de tout ce qui est les véhicules. Mais tu sais, une fois que l'astral est sécrété, là, on sécrète des véhicules pour. Puis là, après ça, là, il y a le corps psychologique qui est fabriqué, mais ça existait avant. C'est juste que. On peut, comme là, notre cycle, il y a des êtres qui peuvent surpasser le psychologique parce que le psychologique est sien de lui-même quelque part. Il y en a qui se rendent compte que la personnalité circonstancielle psychologique est circonstancielle, puis que c'est lié à des choses qui font qu'il y a un méta, quelque chose qui se développe, puis il y a une partie plus objective qui va être capable d'observer des mécaniques. Puis là, ça a une incidence parce qu'il y a l'épigénétique, il y a toutes sortes d'affaires. C'est ça qui fait que ça a une possibilité d'évoluer.
Mais là, parce que là, le cycle de nous autres, il achève. Le psychologique, il finit. Là. Il a atteint ça, le bout de sa patente. Puis justement, il est en train d'être. Il est habité par d'autres affaires. Puis je vois dans tout ça, il y a un retour là, des vieilles choses. Si on prend là, Extinction, Rébellion. Tu sais, leur logo, c'est comme un sablier. Mais c'est une vieille rune tournée d'un quart de tour. Mais tu parles de quoi, toi? Puis, je parle des atavismes. OK. Le retour des mémoires, puis c'est inconscient, ça. Puis c'est de la possession, ça. C'est ça que je dis. OK. Puis c'est ça, moi, que je trouve inquiétant, parce que c'est ça qui fait qu'il va y avoir c'est ça qui engendre des génocides, qui engendre toutes sortes de choses. Oui, des guerres civiles. C'est sûr que présentement, on sent que les populations, entre autres au Québec, qui est un peuple historiquement, ben, dans les dernières années, en tout cas pacifique, là, on voit que des tensions sociales, de plus en plus de manifestations et Tout ce qui est lié à des mouvements sociaux où il y a des gens que c'est une vibration de fanatique religieux presque. Parce qu'au fond, ils ont peur, puis ils sont dans une idéologie. Parce que là, on parle des logiciels de pensée qui font que ça aura pas. Eux autres, c'est. Tu sais, l'autre, là, il faut paniquer, là. Désolé, mais tu sais, moi, je suis pas inquiet pour l'humanité parce que quelque part, j'observe ça, puis à mes yeux, c'est. L'espace-temps, c'est illusoire. Puis, même au niveau de la survivance là, instinctive de préservation de l'ego, ça, je ne l'ai pas. Donc, je regarde ça d'une façon bien assez détaché. froide. Soit si Moi, je te sens très j'ai. détaché par rapport à tout ça. Moi, ben, j'ai pas de. J'accorde pas de. Pour moi, l'humanité, j'ai une empathie, j'ai une compassion. Mais la valeur psychologique qu'on lui accorde, je le sais que c'est pas réel. Donc, j'essaie de voir ça. Mais il reste que il y a des choses qui viennent que. Moi, à mes yeux, c'est inévitable. C'est pas parce que je suis d'accord à ce que ça arrive ou parce que. Mais ça peut pas bien aller. On s'en va pas vers que ça va bien aller OK. parce que. Il y a quelque chose, des vieilles choses qui vont se répéter, puis dans un contexte où parce que l'être humain peut évoluer, c'est le contexte qui évolue, donc les moyens ne sont pas les mêmes. Puis si on revit ce qui a été vécu il y a longtemps avec les moyens de maintenant, ça va être très. C'est ça là, qui est. C'est-à-dire que présentement, il y a des moyens de mettre en place une dictature numérique avec chaque citoyen une identité numérique, chose qui n'aurait pas été possible dans le temps d'Adolf Hitler. La technologie n'était pas encore à point. Mais aujourd'hui, avec la puce sous-cutanée, ensuite les possibilités de reconnaissance là, biométrique, reconnaissance faciale de la démarche, température corporelle, tous ces éléments-là mis ensemble, puis le crédit social qui développe en Chine, puis si les gens s'intéressent, je mettrai le lien en bas de l'enregistrement, c'est 7 milliards d'individus sur surveillance. Bien, si la Chine est un ballon d'essai expérimental pour expérimenter une société où les gens peuvent perdre ou recevoir des points en fonction de leur action, puis sont surveillés constamment par caméra, puis on implanterait ça dans d'autres pays occidentaux, advenant qu'il y ait une méga crise économique, puis il doit y avoir une réforme du système économique, puis le FMI ou le bailleur de fonds onusien nous dirait, ben, on accepte de vous financer, mais en autant que vous mettez en place des mesures de sécurité à cause de la menace du coronavirus, un peu comme une compagnie d'assurance qui dit à l'assuré potentiel, ben, je suis prêt à t'assurer, là, mais il faut que tu me garantisses que tu portes tout le temps, là, ta ceinture de sécurité, que tu suives les règles de contrôle à la lettre. En termes de sécurité routière, tu ne dépasses pas la limite de vitesse. J'ai l'impression qu'on a un chantage similaire à ça, le Canada et les autres pays, pour qu'on adopte tout le fameux crédit social tantôt. Ben oui, ben. Des humains, il y en a. Les spéculateurs sur les ressources trouvent qu'il y a trop d'humains, donc leur valeur baisse. Moi, je vois ça comme ça. Puis là, il faut le gérer, ça. La ressource. Le surplus.
La ressource humaine, ce qu'ils appellent les ressources humaines. C'est un terme que je déteste, mais je le sais que c'est. Ouais, ben c'est foncièrement déshumanisant, mais en termes de gestion, on a vu qu'est-ce que ça a fait avec la Chine. Dans le fond, il y a quelques générations où les familles devaient avoir seulement un enfant pour limiter le nombre d'individus, donc pour diminuer la population. Ouais, ben, disons que c'est un peu comme il va y avoir une banalisation de la gestion de la vie humaine. Mais au sens de la gérer, vraiment, là, une gestion un peu comme une ressource. Mais ça, c'est normal parce qu'on a affaire à des vieilles affaires qui si, ben, ben loin, là. Je sens des affaires, ça se prend pour des divinités agraires, là, puis nous autres, on est du bétail. Oui, ben c'est sûr que si on en remonte, il y a plusieurs décennies où les êtres humains étaient fascinés ou mystifiés par les êtres qui provenaient du cosmos et qui croyaient qu'ils étaient des dieux parce qu'ils se déplaçaient en vaisseaux spatiaux. Ouf! Même là, il y a beaucoup de. Parce que c'est un peu comme. Comment je pourrais dire ça? Tous les systèmes d'alphabet mystique qui ont été développés, puis ça passait pour des affaires mystiques, puis dans le fond, c'était pour faire de la cryptographie, puis communiquer des. C'est. Le réel, il dépasse l'entendement, puis je pense que la réalité dépasse la fiction, mais c'est pas aussi fantastique que c'est plus, c'est pire. Ben, je veux dire, en tout cas. Je vois ça moins. Parce que s'il y a eu des véhicules matériels, c'est lié à une humanité qui se fait passer pour des divinités. C'est juste des. C'est là, puis. Je sais pas, moi, je suis bien, bien. J'ai bien de la misère avec ça parce que ça a tellement tout le temps fasciné les gens. Ça a tout le temps. C'est ça qui c'est par ça, je veux dire, qu'on gère la fascination. C'est comme ça qu'on conditionne. Parce que c'est comme quand pour envoyer une suggestion, faut que tu fasses un. Faut que tu aies une mise en condition. Puis d'ailleurs, à un moment donné, j'avais voulu, je m'étais dit, je vais faire une conférence organisée, mais pas une conférence dans un lieu, mais que j'allais faire une vidéo structurée d'une conférence. Puis parler de chaque point de choses qui ne sont pas abordées jamais. Absolument jamais. C'est comme j'ai eu beaucoup de livres sur l'hypnotisme. Puis il existe un état qui peut être induit, qui peut être provoqué. Il n'y a pas un livre d'hypnotisme grand public ou même spécialisé qui en parle. J'ai un ouvrage qui en parle. Puis c'est un livre extrêmement rare. Tous les livres les plus intéressants que j'ai eus. Et c'est des choses rares. C'est là où on Mais dit, justement, avant de passer à autre chose, c'est quoi le titre du livre? S'il y a des gens qui nous écoutent qui Oh, aimeraient le lire. faudrait que je le retrouve. Je me souviens même pas du nom de l'état dont il est question. Tout ce que je me souviens, c'est que j'ai jamais revu Oui. ça ailleurs, puis ça Mais fait longtemps. Puis ça fait peux-tu me des le années que je l'ai fait. décrire, cet état-là hypnotique auquel tu fais allusion? C'est un état où tu peux provoquer des phénomènes liés à la télékinésie avec le sujet, entre autres. Entre autres. Mais c'est des phénomènes qui vont au-delà de l'hypnotisme là, de cabaret qu'on voit habituellement. Oui, comme avec Mesmer ou du Oh, spectacle ouais, ça, TV, là. c'est rien, ça. Non, non, mais je sais qu'en état de transe profonde, la personne, elle peut être disposée ou connectée à des capacités psychiques qu'elle n'aurait pas accès à l'état de veille. Ouais. Mais ça va au-delà de. Parce que c'est sûr, si tu parles Puis. de télékinésie, c'est-à-dire la capacité que la personne qui est sous hypnose déplace des objets sans Puis y pas toucher. juste des phénomènes de télékinésie, des phénomènes qui vont au-delà de ça. Puis à cause de l'intérêt au niveau d'informations comme ça, je pense que c'est pour ça que c'est pas abordé. Parce que quelqu'un qui aurait juste une demi-douzaine de sujets qu'on peut induire cet état-là pour leur faire faire des choses par rapport à distance, juste les mettre en état, puis
leur font faire des missions, si on peut dire, parce que c'est pas lié à la morale psychologique, puis ça serait des armes, ça serait terrible. Oui, bien, c'est sûr que dans le cadre, entre autres, lorsqu'il y avait apparemment la guerre froide, j'ai tombé sur des documents qui disaient que les États-Unis avaient développé un projet, je pense que c'était, en tout cas, de remote viewing, là, où les amener à percevoir à distance là, des bases secrètes russes et autres, là, Puis moi, monsieur, il y a beaucoup de. J'ai vu beaucoup de choses là-dedans que. Ce qui était rapporté, c'était comme les expériences par rapport à des cartes qui avaient été faites pour dans un sous-marin, puis un autre à distance. Puis j'avais même un livre, c'était les expériences. Le fait que c'est rendu public, ça fait que c'est pas intéressant. Les vraies affaires sont pas publiques. C'est des choses vraiment intéressantes. Si c'est rendu public, c'est parce que c'est pour créer, c'est pour envoyer dans le public au niveau des relations publiques, comme quoi que les Américains y ont fait des expériences, puis peut-être qu'ils sont avancés là-dedans. C'est une façon de. Mais ce qui est donné comme information, c'est pas intéressant. Ben oui. C'est les mêmes expériences qui avaient été faites au 19e siècle, sauf que c'était pas des militaires qui les faisaient, là. Mais c'est les mêmes, je veux dire, je peux pas croire qu'ils sont encore à jouer à ça. Mais peut-être qu'ils ont justement là, deux pas d'avance, puis ils nous parlent de ça comme des percées, mais en réalité, ils sont rendus beaucoup plus loin, puis ce qui est vraiment important, comme tu le dis, nous est voilé, là. Toujours. Moi, quand on me rend public une information délicate, je trouve ça suspect. Je trouve ça suspect parce que d'un point de vue stratégique, ça ne se tient pas. Puis, juste le fait qu'il y a des choses qui sont déclassifiées, c'est clair que c'est ça aussi, c'est un autre voile, c'est un autre, il y a un autre système derrière ça. Puis, le vrai pouvoir, c'est l'information. Parce qu'on vit dans un monde de connaissances. Oui, mais pour en revenir à notre sujet, qui les deuxièmes vagues, je voulais t'amener à parler, selon toi, quel est le culte derrière la deuxième vague? Donc, c'est quoi la fonction du fait qu'on nous vend présentement, à travers la propagande gouvernementale et des médias de masse, l'idée qu'on est dans une deuxième vague? À quoi ça sert? Ben là, si on parle à quoi ça sert d'un point de vue là, vraiment en surface, ça va servir, ça va être politique puis financier. Mais à quoi ça sert pour l'individu qui le vit? Ça, c'est à lui. C'est à quoi ça lui sert? Ça ne servira pas aux mêmes choses pour tout le monde. Pour le niveau collectif, c'est sûr qu'on va réaliser des choses parce que ils pourront pas empêcher. Ce ne sera jamais 100% du monde hein, qui seront mal. Tu peux manipuler beaucoup de monde, puis souvent, mais tu peux manipuler tout le monde tout le temps. À moins d'avoir une technologie Pour qui. ça, une technologie de Ouais. contrôle sophistiquée qui pourrait être relayée avec des antennes un peu partout en lien avec l'implantation de la 5G. Ça, je le sais pas, mais je sais que vibratoirement, ça me fait pas peur, que je me sens pas menacé par des choses comme ça. Puis aussi parce que quelque part, je suis tellement persuadé que. En tout cas, je suis rendu à un point que je m'en fous presque de ce qui va arriver. Je m'en fous un peu. Ben, un peu, pas mal. Je m'en fous parce que. Je le sais pas. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que. Mais à quoi ça va me servir, puis à quoi ça va servir? Parce que je le sais quelque part, il y a quelque chose d'intelligent qui va au-delà de l'intelligence de. De Puis l'ego, à quoi je le ouais. sais pas. Si je le sais, de toute façon, ça va servir, c'est certain. Ben en Mais tout ça cas, va me moi, servir aussi. ce que je vois à travers ça, cette histoire de deuxième vague-là, c'est que il y a présentement, ben on l'a vu aussi dans la première vague, là, il y a une informatisation rapide de la société, puis on utilise le prétexte de la crise du coronavirus pour
aller de l'avant. Donc, des commerces qui vont faire plus de commerce en ligne, plus de télétravail, ensuite Ben oui. arrêter d'utiliser des billets de banque pour faire des transactions numériques seulement. C'est le professeur Norbert Wiener, celui qu'on appelle le père de la cybernétique. Lui, il avait averti que ça allait vers ça, que ça pourrait aller vers ça. Exactement, Puis puis on s'en va vers ça. Je veux dire, c'est comme je disais au début, c'est l'aboutissement de tout ce qu'il y a eu avant. On s'en va vers. C'est de la cybernétique, mais au niveau de la gestion, d'une gestion, mais en tant que. On a affaire à quelque chose qui va être très sophistiqué, là. C'est Ben un oui. système autosuffisant, fermé d'autogestion. Parce que c'est ce qui est autorégulé, la cybernétique. C'est la C'est science ça, mais des avec sciences. un support informatique très sophistiqué, on parle du big data avec le deep learning pour l'intelligence artificielle, puis de la mise en réseau éventuelle d'auto-autonomes qui pourront plus théoriquement avoir d'accidents, puis de développement de robots aussi. Donc, tout ça mis ensemble avec les surveillances, les systèmes de surveillance et de contrôle, ben on assisterait une société extrêmement contrôlée là, par les voies technologiques. Là. Ben, il y en a qui aiment ça. Ah, j'en doute C'est. pas, les ventes ont explosé d'achats en ligne. Ensuite, c'est sûr que les GAFA, Google, Apple, Facebook, on le vend dans les voiles. La valeur des actions a grimpé dans les dernières Ben, semaines, les c'est comme derniers je te mois. disais, ces grosses affaires-là qui, au fond, sont pas juste des créations des particuliers au niveau d'une libre entreprise, là. Il y a des monopoles, il y a des États là-dedans. Puis ces grosses choses-là vont manger les petits. Puis on s'en va vers, comme je disais, là, comme en Union soviétique, il y avait une compagnie qui fabriquait les souliers pour tout le monde. C'est moins drastique, mais on s'en va vers ça. Puis c'est voulu. C'est voulu, c'est pour ça le confinement. C'est pour que les petits fassent faillite puis qu'ils se fassent racheter par les gros. Puis c'est clairement fait sciemment. Puis qu'on me démontre que c'est pas le cas. Que je veux dire, d'un point de vue des arguments, de la logique, C'est qu'on me démontre que c'est pas ça. Comment qu'on me le prouve? Si ils sont tellement de bonne foi qu'ils me le démontrent, la preuve est à faire. Tu sais, je veux dire, Exactement. c'est clair que c'est ça, là. C'est toutes les crises depuis tout. C'est tout. C'est planifié comme une. Je veux dire. Puis c'est expérimental des fois, mais après, quand ils recommencent, ils font pas les mêmes erreurs, ils améliorent. Quelqu'un qui a un intérêt pour l'histoire, qui observe beaucoup, qui a une bonne culture, on finit qu'on le voit. Il faut vraiment être naïf ou bien manquer d'infos. Parce que c'est clairement, ils sont en train de faire ça. Ce qui va arriver, c'est que les grosses entreprises vont manger les petites. Puis c'est voulu, c'est de la centralisation, c'est. La concentration du pouvoir, puis au niveau international, ben, c'est des grosses entreprises mondialistes qui sont dans plusieurs pays qui gagnent en pouvoir. Fait que, Alors, il y a ouais. des compagnies, on a fabriqué des personnages, oh, lui c'est un entrepreneur de génie, puis il a fondé telle compagnie, puis blablabla. C'est pas vrai. C'est des compagnies depuis le début qui ont été créées par d'autres personnes, puis lui il a été choisi. Puis il y en a plusieurs comme ça. Puis c'est un peu comme. Regarde, si tu regardes le premier vrai Internet, c'est dans les années 70. Puis c'était le réseau interne de la CIA, me semble. Bon, en tout cas, c'est les forces armées américaines, c'était Oui. ARPANET qu'il y a eu. Moi, entre autres, mais je parle le premier, qu'il y avait des ordinateurs de bureau qui n'étaient pas nécessairement militaires, là, mais que tu as eu après ça que c'était tout ensemble. Puis c'était bien gros lié, le militaire, mais tout le. Ben, de toute façon, c'est tout lié. C'est pareil pour. Le reste, là, c'est pas normal. C'est comme maintenant, là, au lieu de ficher les gens, ben, tu lui donnes un réseau social, puis ils se fichent eux-mêmes. Comme Facebook. Où ils mettent Et des ça. informations personnelles, puis comme Parce vous que avez. Oui. moi, quand je regarde M. Zuckerberg, là, c'est pas lui, là.
Lui, là, c'est un peu comme un acteur qui nous vend du chocolat. Je crois pas que cet homme-là ait la capacité. En tout Ben, en toute cas, façon, si on j'étais un parle petit peu méchant là, dans ce que je du... dis, mais Chris, c'est pas des génies. Faites-moi croire que Bill Gates est un génie. Osez m'insulter mon intelligence en me faisant croire que cet homme-là, qu'on sait c'est qui son père, qu'on sait dans quel milieu, que tout a été mis en contexte pour. Faites-moi croire encore que c'est un génie, ça. Que c'est un être supérieur, ça me met tellement en colère. Ça me met tellement en colère parce que ça, c'est vraiment insultant. Parce qu'on se ramasse, on se fait dominant en faisant rire de nous autres en plus. Moi, je trouve ça insultant. J'ai l'impression de faire rire de moi. Ben moi, à chaque fois On qu'on ne me me présente respecte pas, quelqu'un, que ce soit traité Bill de ça. Gates ou Mark Zuckerberg ou Elon Musk ou peu importe, puis on nous le présente comme étant un génie, moi, je pars toujours du principe en regardant ces gens-là. Que la pensée vient d'ailleurs. Fait que le génie, entre guillemets, se retrouve pas sur le plan physique. Pour moi, le Oh, cerveau. moi, ce que j'aime pas là-dedans, c'est la prétention qu'on a à faire à un organisme supérieur en tant qu'homme, puis que ça, tu sais, puis on nous prend une biographie, puis ça. Oh non, non, là, c'est des inférieurs, ces gens-là, parce que dans le fond, ils sont personne. Je veux dire, ils jouissent d'un privilège parce qu'ils jouent un rôle. Puis la minute qu'ils font plus l'affaire, là, ils vont les. C'est pas. Ben, je dirais pas Admettons qu'ils ne nécessairement feraient plus qu'ils sont l'affaire, puis que inférieurs, là, là, mais... récupère. Ah oui, ben voyons, Christ. Ben là, je veux dire, c'est... T'accepterais-tu ça, toi? T'accepterais ça de faire un job de même? Non. Non, non, c'est sûr Quelqu'un que... qui accepte de faire ça, qui me trahit comme ça, qui. Non, c'est un Ben, inférieur. pour moi, c'est plus de l'inconscience. Tu sais, moi, je suis pas C'est sûr ça. Ben moi, je que... parle pas inférieur dans le sens psychologique du terme. Je OK. parle dans le sens que ce monde-là, ils peuvent pas avoir de génie. Chris, ils peuvent pas avoir de contact avec l'esprit. C'est impossible. Ben pour moi, ces gens-là sont téléguidés malgré eux. Puis eux autres, ils pensent que c'est eux autres qui pensent. Fait que l'idée, par exemple, d'aller coloniser Mars, quoi, Elon Musk, ils doivent penser que c'est lui qui a eu cette idée-là Voyons. géniale. Hey, là. Fermeur von Braun, il pensait à ça bien avant, puis il y en a d'autres avant, puis il y en a d'autres avant. C'est pas d'hier qu'on va aller coloniser ici, puis ça, il y a un Chinois, il s'est fait sauter sur des fusées de feu d'artifice dans l'Antiquité, il voulait aller sur la Lune. Oui, par contre, lui, avec Il est allé dans SpaceX, l'astral. oui, c'est ça, mais en tout cas, ouais. Avec le SpaceX qu'il a développé, il est capable d'avoir une capacité technique Ça vient importante. pas de lui. Mais c'est ça que je voulais en venir, c'est que Ça la... vient pas de lui. C'est là que je dis. On nous prend pour des imbéciles, puis on nous met de l'avant des jeunes premiers qui sont des acteurs dans le fond, que c'est pas réel. Ils me feront pas croire ça. Horacio Arruda, c'est pas un scientifique, c'est un homme d'affaires, un lobbyiste. Il y a la vibration d'un vendeur de chars usagés. Je suis capable de reconnaître de l'authenticité s'il y en a. C'est un bonhomme-là, c'est pas un scientifique, Jigsy, Ben, directeur de la santé publique, on le voit tout le temps qui s'apine avec les 17 Hey. objectifs globaux du plan des C'est ça. mondialistes de l'agenda 2030. Fait qu'il affiche clairement ses couleurs, là. Puis ça, c'est au vu puis su de tout le monde. Puis il y a juste deux, trois personnes sur Internet qui allument par rapport à ça. Là, puis en tout cas, c'est une forme qui le logo qu'ils ont choisi, puis Avec les couleurs là, de l'épinglette, là, tu sais. Ouais, si tu regardes la proportion entre le cercle du centre puis la largeur des bandes de couleurs, Oui. c'est la proportion d'un iris quand il est dilaté à une certaine spécifique, là, le regard normal, je pense. Je ne sais plus, mais quand je le regardais, j'ai dit, il y a quelque chose de proportion là-dedans, de lié aux proportions. J'ai pas, il aurait fallu que je le note ou je l'imprime puis que je le calcule. Mais le logo, il est fait pour être comme un œil. Ouais, comme l'œil qui voit tout, le fameux œil qu'on voit sur le billet Ouais, d'un dollar de la... mais c'est au niveau de la mécanique inconsciente, de la force des formes dans le, qui ont, que la forme a été choisie. Parce que ce genre de choses-là, c'est pas fait pour être vu comme ça d'un premier coup d'œil. C'est fait pour être inconsciemment perçu. Mais je regarde ça, puis je dis non, non, il y a encore là,
Mais tu sais, c'est comme ceux qui sont intéressés à ça, le subliminal en publicité, puis tout. Il y a vraiment quelque chose, là. Il y a une... Puis juste avec les proportions, ce qui est circulaire, puis l'œil, il va tilter s'il se voit lui-même. Je sais pas si tu comprends. Ben ça va créer un choc, là, c'est sûr. Ouais. Il y a Mais trop de petits détails, il y a trop d'affaires qui font que c'est un peu gros, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, oui. c'est qu'on a affaire à des acteurs. C'est bien dommage, là, mais moi, c'est ça. La seule chose qui me choque vraiment là-dedans, c'est l'espèce de côté que je fais rire de moi. J'ai tout le temps l'impression qu'on respecte pas l'intelligence. On rit du monde. Puis, Exactement. je me sens insulté. Puis je me dis, si les autres le voient pas, moi, en tout cas, je le vois. Puis, c'est là que ça me met en colère parce que je me dis, Chris, ils sont pas capables d'avoir au moins la décence. La décence de dire oui, mais il y a des. C'est pas pour les raisons que tu penses. Puis au moins essayer de. Ben non, ils ont aucune espèce de. C'est vraiment, on a affaire à des. C'est de la grégarité, mais dans le sens, c'est ben une valeur, là. Mais même, j'ai l'impression que les gens qui ont. Parce que l'autorité est supposée être basée sur la légitimité. Si tu veux avoir de l'autorité plus large, ben t'éduques mal ton monde pour qu'ils ne voient pas que tu es légitime. Si c'est à ça qu'on a affaire, là, des singes qui veulent dominer, puis que c'est ça, là, la patente. Puis que ils ont un mépris de leurs semblables, des autres singes, au point des pensées trop stupides pour leur expliquer certaines affaires. Oui, ceux qui sont au courant les phénomènes cycliques par rapport à la Terre, il y a des affaires, je dirais pas, mais oui, il y a des choses qui sont inévitables. Peut-être que oui, ce serait pas une bonne idée de dire ça public comme ça au monde, mais il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites. Moi, je trouve ça insultant Oui, de. mais c'est sûr que c'est particulier la gestion qui est faite de la crise. Si on pense, puis je pourrais partager l'article en bas de l'enregistrement présent d'Horacio Arruda qui a déclaré qu'au mois de juillet, alors qu'il n'avait pas de cas, il a rendu le port du masque obligatoire pour qu'on développe l'habitude sociale. Ça devient une norme sociale, puis il dit ça prend plusieurs mois à implanter une norme au cas où qu'il y a une deuxième vague pour que les gens soient prêts. Donc, comme si on était des enfants qu'il fallait amener à porter un masque alors que le virus ne circule pas, puis il l'a déclaré, là. C'est quoi Ils Cocosou? sont vraiment d'une grande arrogance. Oui, bien, j'avais trouvé ça arrogant puis infantilisant, l'idée d'implanter une norme sociale à cause qu'il n'y a pas de menace, tu sais, puis comme si on était des imbéciles, que ça prenait plusieurs mois avant l'automne. Ouais. Parce que les influences sociales, ils viennent plus d'en bas que d'en haut. Quand il y a une mode qui se part, puis tout, elle vient souvent d'en bas, pas d'en haut. C'est pareil pour le reste, ils n'ont pas l'air de comprendre ça. C'est les gens, les marginaux dans la rue qui influencent la mode des vedettes d'Hollywood. Les influences, ils viennent plus d'en bas que d'en haut. En haut, là, ils ne sont pas créatifs. Ils sont juste capables d'imiter. Ils sont incapables de créer quoi que ce soit de nouveau. C'est là que, admettons, là, prendre des images naïves, bien populaires, là. On pourrait dire, ben, c'est là qu'on reconnaît qu'il y a une séparation entre du monde qui y ont un contact et du monde qui ne l'ont pas. Parce que il y a une partie de l'humanité qu'ils ne sont pas capables de créer. C'est des copieurs, puis des voleurs. Puis c'est de la prédation, puis c'est énergétique, en plus des formes de la connaissance, entre autres. C'est pour ça qu'ils ont besoin de. Puis c'est là que quelque part, moi, je me dis. Il n'y a plus rien de grave. Quand tu vois ça comme ça, ben, tu sais, quand t'es pas inquiet, t'as pas peur de mourir, t'as pas peur de rien, puis que tu t'en fous, que t'es rendu quand même, tu dis, ben, coudonc. C'est ça, mais comme par rapport à toi, toi, t'as pas peur du COVID-19? Ben non.
J'ai pas peur du COVID-19 en tant que réalité, mais en tant qu'illusion implantée dans la psychologie de la masse. Puis que ça peut servir parce que moi, je suis tout seul. Là. Fait que les collectifs sont conditionnés. Moi, j'ai pris là-dedans. C'est la seule affaire qui me dérange, C'est ça, tu mais as pas ça. composé avec le collectif. Mais moi, la deuxième vague que je vois comme fonction, c'est un petit peu comme, par exemple, quelqu'un dans la première vague, on nous a cassés, on nous a confinés, puis on sait très bien que l'une des techniques de manipulation, c'est la privation sensorielle. Comme par exemple, un prisonnier que tu veux casser, tu veux briser, tu l'envoies au trou, à la noirceur, pour qu'il soit confiné dans un lieu clos. Là, la deuxième étape, un autre confinement pour beaucoup de Québécois, puis je sais que c'est la même chose dans d'autres pays du monde. Fait que là, on nous brise, on nous met encore plus de tension. Mais tu as la technique contraire aussi. OK. C'est que tu vas enivrer avec les sens. Mais c'est tout le temps. Ça dépend ce que tu veux faire, puis pourquoi. Mais c'est sûr que c'est des choses semblables. Parce que le confinement, ça peut amener, entre autres, dans le meilleur des cas, la privation sensorielle, le développement des facultés psychiques. Donc, la Oui. personne est plus en contact avec son intériorité, l'esprit, mais ça, il faut qu'elle soit branchée avec Ça l'esprit. fait partie de l'expérience aussi. Fait que Dans moi, le je... sens que Oui. on est surveillé. Puis s'il y en a qui développent des aptitudes à cause de ce qu'on pourrait appeler d'un contexte contraignant, qu'il y a des gens à cause de mécaniques de survie évolutive développent des aptitudes nouvelles, tout ça, c'est de l'expérience sociale appliquée, là. C'est comme de l'expérimentation scientifique au niveau du comportement humain. Bien, les gens qui vont développer des aptitudes nouvelles aussi, ils sont surveillés. Puis ça aussi, c'est dans les choses qui sont les plus intéressantes, qui les intéressent le plus. Puis même, ils n'arrêtent pas de vouloir conditionner la population à s'attendre à des choses comme ça. Le transhumanisme, puis aussi tous les maudits films avec des histoires de mutants. Parce que pourquoi? Parce qu'à mes yeux, il y a aussi de l'expérimentation génétique qui se fait sur les populations. Puis je me fous que le monde y trouve ça exagéré ou quoi que ce soit. Moi, c'est que ça soit pas le cas que je trouve exagéré comme idée. Bien, de toute façon, au niveau de l'aspect visible, on entend parler depuis plusieurs années des organismes génétiquement modifiés. Donc, par exemple, modifier une tomate pour qu'elle se conserve plus longtemps. Ensuite, différents aliments. Fait que c'est sûr que si on déduit de ça que c'est possible de modifier des aliments pour des raisons d'efficacité, pourquoi qu'ils ne le feraient pas également sur des êtres humains? Juste par l'épigénétique, tu peux modifier l'ADN. C'est-à-dire, si tu prends les Pékinois, les chiens Pékinois, en Chine ancienne, une des choses qu'on faisait, c'était pas juste d'accoupler les plus trapus puis les plus petits entre eux pour garder ce gène-là. On les enfermait dans des cages de bambou, puis on leur écrasait le museau avec des bâtons. Puis par l'épigénétique, et les chiots qui venaient au monde avaient le nez écrasé. Fait, ça, c'est des mécaniques. Les éleveurs sont au courant. Il y a beaucoup de monde qui. Mais c'est pas parlé, l'épigénétique. Tu peux modifier la génétique d'une population en modifiant juste ses conditions de vie. Exactement. C'est sûr que l'une des hypothèses que je fais, c'est que avec la deuxième vague, puis s'il y en a d'autres, j'ai l'impression que le nombre d'autistes va augmenter en société, notamment chez les jeunes. Si tu prives les jeunes de la capacité de détecter le visage de l'autre parce qu'il porte un masque, lui-même porte un masque, ensuite tu dis aux jeunes, ben passe essentiellement du temps chez toi tout seul, joue pas avec tes amis, le reste à 2 mètres. Puis la personne passe essentiellement du temps seule à pas voir le visage de d'autres êtres humains, mais la capacité de détecter les émotions, de lire le visage de l'autre va sans doute être réduite, mais simultanément, l'enfant peut développer d'autres capacités, comme par exemple être très bon à un jeu vidéo, puis à utiliser des programmes informatiques. Ouais. Le but, là, c'est de créer. Moi, à mes yeux, le but, c'est de créer des employés qui veulent des repères très clairs, des directives très claires, puis un horaire répétitif, parce qu'on s'en va vers ça. C'est pas suffisant
d'industrialiser au point d'automatiser. Et c'est aussi quelque chose là-dedans d'une automatisation des gens. On dirait, c'est comme ce qui a, à un moment donné, l'hyperactivité, puis on a mis le Ritalin. Moi, c'était les débuts de ça, puis ce que j'ai remarqué, c'est ceux qui prenaient ça, ils venaient comme des automates. Ils venaient bien, bien focus, ils venaient bien concentrés, mais il n'y avait plus la spontanéité. Ils venaient très, comment je pourrais dire ça, désensibilisés au niveau affectif, entre autres. Puis, quand après ça, si on regarde ça, c'est des molécules qui ont été créées en observant la cocaïne, la structure, les ajustements de la cocaïne sur le cerveau. C'est sûr que, je veux dire, il en convient des gens, des employés qui ont un travail difficile ou qui demandent de la concentration, qui finalement ils deviennent cocaïnomanes. Je serais curieux, moi, de voir les statistiques, les enfants qui ont été sous Ritalin à l'école, le pourcentage qui sont devenus cocaïnomanes. Ben, de toute façon, je sais qu'il existe des statistiques par rapport au fait que le fait de prendre de la drogue, du Ritalin régulièrement quand elle est jeune, la personne adulte va développer la même manie, va poursuivre la manie de Ben prendre des substances. Puis ouais. ça, Là, c'est. c'est. De toute façon, là, je connais personne. Ma conjointe, je connais personne qui prend pas de médicaments. Absolument personne, à part des gens que je leur ai pas demandé. Mais tout le monde prend quelque chose. On est les champions, je pense, au Canada, des antidépresseurs, les anxiolytiques, tout ce qui est des molécules qui sont comme si tu prends les clomipramides ou bien comme certaines molécules comme l'oxazépam. La molécule, elle ressemble beaucoup à l'alcool. Fait que là, moi, être médecin, puis une madame est anxieuse, puis ça me tente pas d'y prescrire des cossins de même. Je dirais, achetez-vous un petit six-pack, madame, puis prenez-vous une bière avant de vous coucher. Ça a plus d'allure que de prescrire de l'alcool en pilule, me semble. Tant qu'à faire. Mais c'est Je sûr que vois par pas. rapport à ça, avec la deuxième vague qui arrive, s'il y en a d'autres aussi, on va sans doute augmenter le nombre de gens qui vont avoir justement des problèmes d'anxiété, qui vont être atteints psychologiquement par la crise qui s'alise dans le temps, parce que plus que la crise dure longtemps, puis que les gens sont sous tension, puis ils n'ont pas de peau, ben il y a eu un petit entracte cet été, mais si la tension dure très longtemps, il y a des gens qui risquent de craquer puis de développer des problèmes de santé mentale ou sombrer dans la folie. Ben, ça va être des clients, ça va être des consommateurs, Pour l'industrie dans le sens, pharmaceutique. de toute façon, comme je te disais, les grandes compagnies vont être de plus en plus liées à l'État. Mais là, ça va être l'État avec un grand E plus tard. Mais c'est, à mes yeux, là, l'affaire, regarde, là, ils parlent pour régler les problèmes, dans le downtown à Vancouver. De toxicomanie, puis les problèmes que ça engendre. Les génies, les autres, leur solution, c'est de légaliser toutes les possessions de drogue, de décriminaliser totalement la consommation de la possession de toutes les drogues. C'est ça leur solution. C'est ça, à ce temps, qui est maintenant, qui Ben oui, ils ont l'idée la décriminalisé plus. la marijuana il y a quelques C'est années au ça. Canada, puis certains ont vu là-dedans un précédent pour décriminaliser autre chose qui serait la suite logique. C'est ça. Fait que, rendu à ce niveau-là, on est aussi bien d'avoir des apothicaires comme au 19e siècle, qu'on peut acheter ce qu'on veut, mais au moins sous forme, la forme naturelle. Parce que là, ça va être quoi, là? On va avoir une SQDC de la cocaïne dans 15 ans? On va pouvoir acheter de la cocaïne sur. Ce qui. À chaque fois que, je sais pas, c'est l'hypocrisie de tout ça, je veux dire, l'hypocrisie de la lutte à la drogue, la guerre à la drogue, la supposée guerre à la drogue quand j'étais enfant, puis c'est l'hypocrisie de. C'est pas que les gens qui sont dans qui ont étudié en sciences sociales ou qui sont de mauvaise foi, mais c'est. Ils ont été. Ils ont été conditionnés à vouloir lutter contre la lutte,
pour lutter justement contre la lutte contre la C'est drogue. ça. C'est complètement irrationnel. Ça se tient pas, mais comme c'est enseigné comme si ça se tenait, le cerveau, il. Des fois, j'ai l'impression que plus les gens sont allés à l'école longtemps, des fois, plus ils sont naïfs, plus ils sont désinformés, puis plus c'est irrationnel la pensée. En ce moment, les gens que j'ai vus le plus convaincus de la deuxième vague, puis c'est des gens instruits. Puis les gens que j'ai vus les plus allumés, qui disent ça se tient pas, c'est des gens très peu instruits, très simples. Puis quand je lis des articles qui essaient de dénigrer les gens, ils disent ah, oh, ben c'est à cause d'un manque d'instruction puis d'éducation. Puis quelque part, ils ont raison. Mais je pense que les gens moins instruits sont plus présents, sont plus lucides. Parce qu'ils ont moins de taux de désinformation, C'est ça, il y a moins de d'incompris. mémoriel. Si on le prend au niveau Ça. supramental, l'individu qui est moins conditionné par du mémoriel, il est plus en contact avec l'esprit. Donc, il peut avoir accès plus à du matériel créatif que l'autre qui régurgite ce qu'il a lu dans des livres puis qu'il a mémorisé puis des examens dans le passé. Ben, c'est au lieu de réfléchir la perception puis la tourner en rond, il y a un ressenti très. Un peu Vibratoire. comme moi, parce que, comme par exemple, ça m'est arrivé de voir des situations, puis les gens étaient complètement hystériques, puis je voyais un enfant, un jeune, puis lui, il voyait clairement ce qui se passait, je le sentais. Mais les adultes autour qui étaient en panique, non. C'est ça, là. T'sais, il était écrit. Ben là, tu sais, pour avoir contact avec le Seigneur, soyez comme des petits enfants. On en a fait quelque chose d'une grande naïveté. Comme si c'était un appel à être naïf. Puis, tandis que c'est pas ça, là. C'est d'être sensible, rester sensible. Puis de pas. Comme justement la médication, moi, à mes yeux, elle sert à désensibiliser, puis elle sert à virtualiser. C'est-à-dire que. Au lieu de faire des gens de plus en plus incarnés, qui sont de plus en plus dans leur corps, mais on veut faire des gens qui vont être sur le pilote automatique, qui vont être capables d'accomplir précisément des tâches mécanisées, mais qui ne s'habiteront pas. Puis qui vont être dans le virtuel de des pensées qu'on a voulu comme ça. Oui, bien exactement. C'est sûr que si quelqu'un, par exemple, prend de la médication pour être concentré à faire une chose, ben elle peut pas ma simultanément manifester de la pensée divergente, donc être un divergent sur le plan psychique, puis avoir une double vision créative qui s'installe lorsqu'elle fait quelque chose pour capter les choses à un autre niveau simultanément. Donc, elle est juste limitée à quelque chose. Puis le fait, non seulement les limitations sont contrôlées, mais aussi les capacités, puis les talents. Parce que quand un particulier fait une découverte, elle va être volée par. C'est encore le contrôle de l'information. Puis c'est ça le pouvoir. Il y a combien de gens qui se sont fait voler? Oui, des inventions que ça a été occulté. Il y a aussi de Nikola Tesla, entre autres, là, qui est très populaire, qui a passé à l'histoire. Donc, ben même, tu sais, près de nous, là, on a eu des. Les Québécois, il y a un génie québécois. Tu sais, je parle pas une personne en particulier, mais je parle de phénomène qui a de la créativité. Il existe un génie québécois, puis qui est extrêmement occulté. Puis tellement que ça en est. C'est comme si tu regardes les prix Nobel canadiens, il n'y a pas un Canadien français, puis c'est voulu, ça. C'est bien, on en a eu des génies, on en a des grands personnages, puis ils sont complètement inconnus. C'est des gens, faut fouiller, il faut jaser à du monde, trouver des livres qui sont pas trouvables, qui ont été édités même une fois, puis des choses, des fois, ça, pour se rendre compte pourquoi les Québécois sont traités un peu différemment. Puis pourquoi tu penses que c'est le Québec qui a les pires, le coronavirus? C'est sûr que c'est nous autres qui mangent la claque. Oui, on a les pires mesures. C'est pour que les Européens qui nous écoutent puissent comprendre. C'est qu'ici, ça a été le premier endroit où on a obligé le port du masque obligatoire. C'est l'endroit où il y a eu plus de cas supposés de gens décédés du coronavirus. Oui. Ce traitement de faveur-là, ce traitement spécial-là, il est lié à un potentiel spécial.
que certaines forces veulent étouffer pour nous garder dans des contraintes rigides, mais comme tu l'as déjà dit, paradoxalement, ils veulent tellement nous endormir qu'ils vont finir par nous éveiller. Ben, c'est en partie ce qui se passe, mais c'est souvent une minorité, mais ça peut devenir intéressant parce que là, la minorité qui est par un phénomène de défense contre une agression, si on peut dire, va se réveiller, ben, après ça, par un phénomène de justement de gestion de l'environnement, va essayer de réveiller tout le monde autour. Puis là, ça peut être. Mais il y a du monde que c'est tellement profond, puis qu'il n'y a rien à faire. Mais il reste qu'il y a des endormis de part et d'autre. Exactement, mais tu sais, il Parce va peut-être que. y avoir une relève de jeunes Québécois qui, par rapport à la crise, vont développer, en étant confinés chez eux devant l'ordinateur, des capacités extrasensorielles ou autres qu'ils n'auraient pas développées autrement, puis peut-être qu'ils seront repêchés un jour pour former la régence planétaire. Ben, moi, je trouve que les écrans, ça aide pas. Tout ce qui est électronique, ça aide pas à développer ce qui est d'autres talents, là, certaines capacités. Au contraire, puis des fois, je me dis, ça va peut-être prendre. Il va peut-être avoir des conditions à certains endroits sur Terre où les gens vont être coupés technologiquement. Puis aussi difficile que ça va paraître, ou je sais pas, peut-être que ça va permettre de développer une technologie qui est subtile, qui n'a pas besoin de support matériel, mais qui influence les supports. Ça serait bien de pouvoir, en tout cas, là, c'est des rêveries. Exactement, mais ce que je peux dire par rapport au confinement, sans nommer son nom, je connais une personne qui, lui, quand il était jeune, ses parents le forçaient à rester dans le noir au sous-sol. Puis, tu sais, il a connu de la maltraitance là, parentale, mais à travers ça, il a développé des facultés psychiques assez poussées qui lui permettent de faire des traitements énergétiques en personne ou à distance. Ben, c'est que s'il va avoir une mécanique d'ajustement qui est liée justement à de la survie puis de l'adaptation. Puis, en tout cas, tu sais, parce que c'est même là, c'est contextuel. Puis, mais ça se trouve tout le temps. Il y a des gens, même sans raison, ils vont développer des facultés. Puis, apparemment, là, sans raison, spontanément. Puis, au lieu d'être une réaction un événement traumatique, ça va engendrer un traumatisme. Parce que quelqu'un que tout va bien, puis que tout est normal, puis il se pose pas de questions dans la vie, puis du jour au lendemain, il perçoit des choses. Là, c'est le contraire. Au lieu d'être amené à ça par une adaptation à cause de quelque chose de traumatique, il va être traumatisé, là. C'est comme il y en a, ils ont vécu des choses qu'ils peuvent pas. Tu peux pas aller voir un psychologue. Tu peux pas aller voir tu peux consulter personne. Parce que peu importe qui tu vas aller voir, il va penser que tu es fou. Fait qu'il y a des choses que. Bien, c'est sûr que le psychologue qui fonctionne au niveau psychologique, c'est quoi de le dire, avec une grille de lecture cartésienne, tout ce qui sort au-delà de la boîte des formes qu'il connaît, bien, oublie ça, là. Si tu parles de l'esprit puis de conscience vibratoire ou autre. Des psychologues, à ce niveau-là, il y en a qui sont ouverts. Il y en a, là. Même des fois, moi, j'ai jasé avec des psychologues, j'ai trouvé trop flyé. OK. Ça flyait trop, là. Bien, il y en a dans la haute spiritualité, mais quelqu'un Ouais. qui travaille comme psychologue au niveau supramental, à ma connaissance, ça ne court pas les rues, là. Parce que si tu regardes ça, il y a beaucoup de. Ben oui, ben Parce que il y a, oui. Il y a beaucoup d'ésotérisme qui influençait des psychologues. Puis, si tu prends Carl Gustav Jung, à mes yeux, lui, il a un petit peu servi un petit peu, même si on peut dire, c'est le début de la psychologie analytique, pas l'analyse, pas au sens comme Freud, là, qui l'analyse carrément, mais là, plus ce qu'on dit, l'aspect psychologie analytique, ça l'a aidé à amener le nouvel âge. C'est Jung. Puis l'orientalisme. Puis
aussi, Jung faisait partie de. T'sais, je veux dire, il a fondé une société secrète, là, luciférienne, avec Miguel Serrano, le nazi Miguel Serrano. Il y avait toute une bague pour ça. Le monde, il parle pas de ça. Mais nous, j'ai connu une Vietnamienne qui s'appelait Nung, puis j'étais mêlé. Mais Jung, il était dans des patentes bizarres, là. Que moi, tu sais, je veux dire, pourquoi fonder des groupes comme ça, initiatiques, liés à l'intégration de des secrets, puis d'une science où on refusionne le kabbalisme occidental, que ce soit même pas occidental, avec l'orientalisme, puis de tout. Ça l'a amené quoi? Ça l'a amené qu'aujourd'hui, ben, c'est comme un marché aux puces. Les gens, ils se fabriquent une personnalité En tout cas, il se fabrique psychique, une spiritualité à la, magasin. ce soit une spiritualité à la carte qu'on appelle, là, un peu comme quand on va au restaurant et on peut choisir à la carte là, le repas, là, t'sais, on peut prendre des notions d'orientalisme, la notion de concept de l'anima, de l'animus qui provient de Jung, des notions du nouvel âge et autres, là. Ben, le pire, c'est l'animus. Oui, au sens des archétypes inconscients, dans l'inconscient collectif, comme Jung le présentait, ça venait de lui. Mais l'animus, ça vient pas de lui à la base. C'est là que, je veux dire, il y avait quelque chose de lié à. Puis il y a même quelque chose qui était lié à du politique, là. Puis même, il y a beaucoup de. J'ai vu ça souvent, comme les gens qui sont en psychoéducation, qui sont même des orthophonistes, des gens qui étaient orthophonistes, puis il va y avoir des influences qui sont des influences liées à de la spiritualité, puis ça va colorer leur pratique. C'est pour ça que. C'était un peu comme si, moi, le chemin que j'avais suivi, c'est de tout prendre ça. Puis finalement, il n'y a plus rien. Mais pour moi, il n'y a plus rien de valable. C'est tout valable en même temps. Mais il n'y a plus rien de. Ça peut pas, mais. Ben moi, dans le fond, moi je suis détaché par rapport à ça parce que l'idée, par exemple, d'interpréter son rêve à la lumière d'archétypes, que bon, si c'est une personne âgée que tu vois, ça veut dire la sagesse. Si c'est la colombe, c'est la paix, toutes ces formes-là, pour moi, Parce que là, ouais, c'est ça. c'est une perte de On temps. est dans. Ben, c'est parce que on est dans de la rationalisation simpliste qui vise à justement à tout mettre. Parce que dépendamment de qui fait le rêve, ça peut pas être les mêmes. Mais tu sais, je veux dire, oui, il y a des choses, c'est des archétypes universels. Mais au niveau de l'interprétation par un analyste, où il va tout le temps y avoir de la subjectivité, Exactement. terriblement. Puis surtout les Freudiens, je veux dire, la personne en rêve d'un parapluie. Là, le parapluie, parce que c'est long, c'est un symbole phallique, mais comme il peut être potentiellement ouvert, puis qu'en tant que parapluie fermé, il contient le contraire, l'ouverture, donc c'est un phénomène, ça peut être un symbole féminin On aussi. interprète tout avec une Puis, couleur sexuelle, ouais. ben oui, le couteau peut être un symbole phallique, mais c'est aussi un symbole de castration. Tout, puis son contraire. Ça peut être tout puis son contraire. Ça dépend qui fait l'analyse. C'est là, j'ai un problème. Ça peut pas être objectif. Non, exactement. Mais en fait, j'avais déjà, dans le fond, par rapport à ça, discuté avec une personne, puis on était venu à la conclusion que l'histoire d'aller, mettons, tu fais un rêve, puis d'aller sur Internet faire des recherches par rapport au fameux symbole de rêve, parce qu'il y a un paquet de documentation là-dessus, puis les archétypes qui sont supposés être universels, c'est de la merde. Excuse-moi l'expression, là, ça sert à rien. C'est sûr. Puis la personne est mieux de faire une lecture vibratoire individualisée par rapport à ce qu'elle capte vibratoirement dans son rêve plutôt que de se référer à des référents extérieurs à elle pour essayer de se comprendre. Ben, à un moment donné, c'est comme moi, je me souviens plus ben de mes rêves, à part si je le demande. Puis là, ça va être dans un langage qui s'adresse à moi. C'est comme j'ai établi des codes. Il y a des choses, je sais que ça, c'est. Mais c'est avec le temps, puis je sais que c'est pour moi, ça me concerne moi. Mais Exactement, mais si une autre le personne, reste, là. c'est ça, si une autre personne voit la même forme que toi dans un rêve, ça ne veut pas dire que ça a la même Ah signification. non. Ben c'est ça. Puis
En fait, ça nous éloigne un peu du sujet que je voulais parler parce que par rapport à la deuxième vague, moi, ce que j'étais curieux d'entendre, c'est toi, est-ce que tu évalues que c'est pertinent de, par exemple, faire des réserves de nourriture, voire même de papier de toilette pour pas se ramasser dans la marde si on tombe dans zone brune après la zone rouge pour plusieurs régions du Québec? En tout temps, dans le sens, c'est pas d'être obligé de faire des réserves parce qu'on a une situation comme ça. Mais faire des réserves parce que, pour faire des réserves, d'avoir tout le temps au moins 5 mois d'ingrédients à sec. À l'avance. Au cas où. OK. Parce que dans la première C'est. vague, ce qu'on a connu ici, comme différents endroits dans le monde, c'est que quand la vague a commencé, ben là, il y avait des gens qui ont dévalisé là, les magasins, c'est-à-dire qu'il ne restait plus de papier de toilette. Et ensuite, la farine a disparu des rangées. Il y avait ensuite C'est des. drôle ça, le papier de toilette disparaît avant la farine. C'est tellement illogique. Normalement, là, si t'as plus de Ben, en fait, farine à excuse-moi, manger, j'ai t'auras mal plus rien présenté les ici. choses. J'ai mal présenté les OK. choses. C'est les deux simultanément là, que ça s'est vidé des OK. étagères. Ensuite, les patates aussi. En fait, tout ça, ça s'est comme vidé rapidement. Puis là, c'est sûr, dans une optique de prévision et de précaution par rapport à la deuxième vague qu'on nous vend, ben là, j'ai décidé de faire des réserves autour de papier de toilette chez moi. Ensuite, des poches de riz que j'ai, parce que ça se conserve quand même là, plus qu'un an. Des lentilles aussi. Donc, il y a Parce que des aliments l'affaire, c'est pas secs. de faire des réserves pour les mêmes raisons que les autres. C'est un peu comme, je dirais, je vois, il y a des gens, bon, ben dans mon coin, c'était moins porté à être sur la panique, mais le but de faire des réserves d'avance, c'est pour avoir toi, que tu es chez toi déjà, quand les autres vont aller en panique chercher. C'est le but d'avoir déjà des poches de riz d'avance, c'est pour que même qu'ils l'annoncent puis que ça se mette sur la panique dans Paul à un moment donné, ben toi, tu n'auras pas à. C'est juste ça. Être confronté à ça. Mais c'est sûr que, tu sais, au début de la première vague, c'était pas agréable d'aller dans les supermarchés. Je sentais que les gens étaient tendus, puis il y en a qui achetaient en grande quantité. Puis moi, je veux pas être exposé à ça. Là, si dans la deuxième vague, là, on nous fait peur, puis on nous vend l'idée que il va C'est de pas. faire des réserves parce que les autres vont en faire pour faire des réserves nécessairement, mais tout simplement pour que ce soit fait quand pour pas justement se savoir subir ça. Ben, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai pas le goût d'aller magasiner dans un contexte où les gens sont super tendus. Déjà là, moi, je suis curieux de voir comment que les choses vont se placer parce qu'au moment où on se parle, on est au mois d'octobre. On n'est pas rendu dans la saison traditionnelle de la grippe, qui habituellement, c'est plus au mois de décembre, janvier, février. Puis on est déjà en zone rouge pour beaucoup de régions au Québec. Donc, quand je regarde les choses, puis la zone rouge a été mise en place à la fin du mois de septembre, mais là, qu'est-ce qui va arriver dans les saisons traditionnelles de la grippe comme mesure supplémentaire alors qu'on en a Ben déjà là, plusieurs? techniquement, c'est comme si la grippe, il n'y en a plus, c'est tout le COVID. Donc, tu l'as ta réponse, tu vas en avoir. Ça va tout être classé COVID, toute la grippe de cette année. C'est juste ça. Puis, ça va être le COVID, mais c'est la grippe de cette année. Je veux Exact. dire, ce qui est décrit, ceux qui l'ont eu, le COVID, j'ai déjà eu ça, des grippes comme ça, tout le monde en a eu. Qu'on est une semaine, qu'on ne peut pas se lever, puis c'est comme des grippes musculaires et intestinales en même temps, puis tu es faible. Exactement, la toux, la fièvre, tous les symptômes, des symptômes grippaux. C'est ça. Puis quand on dit ça à des personnes, on peut se faire traiter de complotiste. Ben là, c'est pas un complot de dire qu'une grippe, c'est une grippe. Ben, de J'ai dire déjà été que malade, c'est ça, là. mais J'ai déjà eu la le grippe point, dans c'est ma vie, que puis ce si qu'ils décrivent, c'est ça. c'est ça, mais le point, c'est que si on dit que le COVID, c'est une grippe, comme la grippe saisonnière, là, les gens vont dire, ben, tu déformes la réalité, tu minimises la menace. Ben moi, tu sais, tu m'en fous un peu. Ben, je minimise à rien, c'est une grippe. Je veux dire, je constate. Tu sais, je veux dire,
toutes les infections que tu vas te déshydrater beaucoup en abondance, perdre l'énergie, puis tu peux tout mettre ça dans la grippe, là. Des fois, c'est des rhinovirus, des fois, c'est l'influenza, des fois, c'est d'autres choses, des fois, c'est comme le stress qui existe encore. Puis, Ben je d'ailleurs, le sais pas si. coronavirus, c'est le stress 2, C'est ça. deuxième Ben oui, mais version. c'est toutes les affaires des années d'avant, mais là, ils disent tout, c'est COVID. Fait que là, Mais. ça devient plus épeurant, puis là, les gens vont être en panique. C'est ça le but, c'est ça. Mais il reste que ce qui est décrit, je regardais les témoignages, puis ils ne peuvent pas me faire peur avec ça. Même je suis volontaire pour inoculer, moi, le COVID. T'sais, si c'est ça, là, j'aime mieux tester le COVID qu'un éventuel vaccin. Moi, le COVID me fait pas peur. J'aimerais ça essayer ça pour Là, il y a voir. dans les bulletins de nouvelles, ils nous font jouer, entre autres, une publicité d'un homme qui prétend avoir eu une trachotomie. Puis ça a été C'est possible. grave. Puis il y a des gens, C'est apparemment. possible. T'en as des trachéotomies pour la grippe à chaque année. Il y en a où il faut les intuber, où il y a quelque chose, il y a une réaction qui fait que au niveau de la trachée, l'air passe pas, puis il faut qu'il fasse la trachéotomie. Mais c'est des complications suite à des pneumonies, à des. Mais là, ça change rien. Je veux dire, c'est coté comme ça avant, c'est juste qu'il ne nous l'amenait pas à la télévision pour témoigner. Puis lui, bon, ben, j'imagine que c'est sa première trachéotomie, il ne doit pas avoir ça aux 2 ans. Fait que lui, dans sa tête, il témoigne de quelque chose qu'il a vécu, puis c'est pas nécessairement malhonnête de sa part. Ce qui est malhonnête, c'est que lui, on sort de lui, puis c'est un idiot utile quelque part. Les gens qui ont mis ça en scène dans le sens d'exploiter son histoire à lui, c'est eux autres qui sont malhonnêtes, pas lui. Ben, c'est parce Parce que lui, ce qu'on qu'il a vécu, c'est vrai, Oui, c'est j'imagine, là. ça. Ça peut être c'est ça un vrai cas. Sauf qu'on nous met Il en y en a à scène que chaque année. c'est plus grave qu'une grippe saisonnière Tu sais, de COVID. ça peut arriver à un homme de plus de 50 ans qui fait du diabète, pour une grippe, hein, quelque chose de pas fort habituellement, que les circonstances font qu'il y a des complications, ça arrive. Puis là, même, tu as des décès. Des fois, le cœur lâche. Je veux dire, est-ce que ça fait. On a même pas atteint le taux de mortalité de l'année d'avant, il me semble, là, à cette date-ci. Fait que je vois pas, il est où, là. Il n'y a pas de surmortalité, ça, c'est sûr, statistiquement, là. Exactement, mais sinon j'avais écouté dans le fond Didier Raoult, le célèbre virologue français qui racontait que par rapport au printemps 2020, il y avait eu moins de cas de gens qui étaient justement atteints là, de détresse respiratoire ou de grippe que d'autres années dans le passé, là. Eh oui. Puis là, on. C'est pas c'est une question, c'est pour des intérêts, entre autres, puis pour tout des convergences d'intérêts. Puis c'est politique, c'est économique, c'est toutes sortes d'affaires en même temps. Comme là, pour ça, moi, Trump, là, ce qui est annoncé, j'espère que c'est pas vrai. On verra. Mais il y a des compagnies ils ont travaillé très, très tôt, là, dans la crise pour. Se mettre de l'avant. Oui, ben c'est Puis sûr si que. lui il fait la promotion d'un traitement qui coûte 3 000 $, là, je vais être bien de mauvaise humeur contre lui. Ben c'est sûr que ça peut faire justement l'objet à travers ça, là, d'une tentative d'une compagnie de se mettre en valeur puis de J'espère que c'est l'utiliser. pas vrai, ça. Mais en tout cas, il y aurait un fameux traitement expérimental, puis là, si ça fonctionne, ben là, ça va être médiatisé, puis là, la compagnie, j'imagine que son action va grimper en termes de valeur à la bourse, puis ça va être présenté comme étant celle qui va sauver l'humanité. Hey, j'ai vécu ça au Québec, pas par rapport à des médicaments, mais à des actions qu'il était mis de l'avant par un politicien. OK. Puis, c'était une gamique, là, je veux dire, c'est les petits investisseurs qui ont payé la mise en place du projet. Puis après, ils ont réannulé, par exemple, là, à cette heure-là, les autres peuvent réinvestir, mais c'est les petits investisseurs qui ont fourni la construction de la compagnie, dans le fond. Puis là, ils viennent d'être discartés complètement. Puis là, les autres vont pouvoir récolter. Puis il y a eu une campagne de relations publiques, des opérations de relations publiques liées à ça. Puis lui, là, je le retiens maudit que j'étais. Ça m'a tellement. Puis le pire, c'est parce que je l'ai cru. Je l'ai cru. Puis j'ai été bien naïf, j'étais enthousiaste.
Mais il reste que, tu sais, le pire, c'est que ça me le disait dans le fond que c'était ça. Que c'était En tout cas, c'est tout le temps de Mais détourner l'énergie. ouais. Tant tout. Mais C'est comme tout le le temps disait ça. Bernard de Montréal, l'important c'est de pas croire. Je pense que c'est un principe fondamental pour Ben oui, appréhender mais le réel. c'est parce que là, tu sais, non, il arrive, tu as tel projet, blablabla. Soit c'est vrai, ça, soit c'est pas vrai. C'est pas l'affaire de croire ou pas croire. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Puis il faut faire un choix. Tu sais, c'est un ou l'autre. Puis là, ben, je me suis dit, ben, peut-être c'est vrai. Puis là, après, je me suis dit, bon, c'est vrai, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Puis là, pas 2 ans après, paf, de haut. C'est l'autre affaire plus loin qui revenait tout le temps, ma chérie, c'était ça qui avait raison. C'était ça qui était vrai. Que c'était encore une maudite façon de détourner l'argent des petits pour approvisionner un projet qui va nourrir des gros. Encore. Mais là, moi, je ne me referai plus jamais pogner. Lui, c'est la tête plombée-là qui réannonce jamais un projet, qui vient jamais vanter rien parce que. Ah, oh, maudit que, tu sais, je veux dire, j'ai pas de haine envers certaines personnes personnellement. Mais je vais avoir une colère envers les conséquences puis leur inconscience, puis aussi l'espèce de manque d'empathie systématique de ces gens-là. Puis le fait aussi, quelque part, que c'est pas du monde. À un moment donné, j'ai l'impression, je me demande, j'ai affaire à du monde, à des humains. On vient que, on se dit, Christ, c'est des programmes, puis c'est tout. C'est comme des programmes. Mais c'est sûr que dans le fond, pour quelqu'un soit humain pleinement, il faut qu'il ait un être. Donc, il faut qu'il soit conscient. Ouais, ben Puis. là, tu sais, on nous parle d'intelligence artificielle beaucoup. Ça fait partie de la cybernétique, puis ce qu'ils veulent faire, Oui. mais il n'y aura pas de conscience artificielle. Non, exactement. Il n'y Ça, aura c'est qu'une impossible. conscience réelle. C'est ça. Puis je pense qu'on a du monde, que c'est pas des humains artificiels, mais ils sont tellement pas là, ils sont tellement coupés, puis ils peuvent être extrêmement intelligents, puis instruits intellectuellement, mais dans le fond, c'est juste des programmes. Ben, On a ça. affaire à de la cybernétique, on a affaire à des êtres que il n'y a personne, dans le fond, il y a une illusion qu'il y a quelqu'un. Puis ça, c'est terrible de se rendre compte de ça, puis il y en a certains politiciens qui. Notre monde est rendu possible par le fait que on n'a pas toutes la même source, on dirait. Fait, on dirait qu'il y a toutes sortes d'affaires. Il y a pas juste une humanité, il y en a plusieurs, on dirait. Puis, il y en a qui font une job, mais ils servent à d'autres choses. Ils sont chevauchés, je ne le sais pas. Ben, il y en a qui Ça, sont chevauchés par l'astral malgré eux, ouais. puis ils croient agir pour faire le bien, mais comme un adage le dit, l'enfer et les chemins menant à l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Fait que moi, j'ai l'impression que certains de nos dirigeants politiques qui croient bien faire en confinant les gens, en mettant des règles plus strictes, ne réalisent pas qu'à un autre niveau, il y a des forces qui veulent tirer profit de ces mesures-là de contrôle pour implanter une nouvelle programmation collective mondiale. Ben, il reste que c'est très intéressant de voir ça. Puis, promis, ça peut pas fonctionner. C'est Exactement. tellement. C'est tellement. Quand je regarde ça, là, globalement, ça peut pas fonctionner. C'est trop con. Ça tient pas compte du psychisme humain. Ça tient pas compte des besoins psycho-affectifs de l'être humain. Ça ne tient pas compte des ressources cachées de l'être humain à date. Mais peut-être qu'au fond, ça fait partie du calcul aussi. Si ça, c'est le cas, ça veut dire qu'on va se faire. Ben, on va se faire, je parle pas moi personnellement, mais ça va être violent. Ça risque d'être violent. De toute façon, juste. Moi, plus ça va, plus. Si on regarde le 20e siècle, c'est horrible la violence du 20e siècle. Le 19e siècle, c'était violent, mais. Pas au niveau industriel du 20e siècle. Je pense que le 21e siècle, tu sais, c'est la fin de cycle. Bon, ouais. Espérons que ça va aller vite. Mais moi, j'ai C'est l'impression pas que ça a plus été une qu'un an. violence subtile à différents des autres siècles. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'armées qui vont s'affronter là sur un terrain avec des soldats. Par contre, ça va être une violence, entre autres, économique, technologique. On parle d'ailleurs de cyberterrorisme.
Puis la façon que je vois ça, puis il y a des gens qui ont abordé ça aussi, là, entre autres sur Internet, là, j'invente rien, mais dans le passé, on avait des guerres avec des fantassins, puis là, on assiste à ce que certains appelleraient une troisième guerre mondiale, comme l'a déclaré Emmanuel Macron, nous sommes en guerre, mais la guerre, et ce qui est subtil, c'est qu'on dit qu'on est tous unis dans la guerre contre le virus. Mais en réalité, quand ils déclarent nous sommes en guerre, c'est peut-être pas les gens qui sont en guerre contre leur virus, mais c'est une guerre à un autre niveau par rapport aux populations. Oui, parce que là, il y a des techniques de guerre psychologique qui sont appliquées. Je veux dire, c'est les élus qui appliquent ça à leur propre population. Il y a une guerre contre, notamment là, les familles, la famille traditionnelle. Ouais. L'État veut de plus en plus être celui qui va élever les enfants, parce que c'est une ressource humaine. Puis, si c'est la guerre qu'ils veulent, ils vont l'avoir. C'est pas moi qui vais leur faire la guerre, mais ils vont l'avoir parce qu'il y a des lois naturelles d'équilibre. Puis il y a des choses, on dirait, qui ne tiennent pas compte. Puis il va y avoir des conséquences. Je ne voudrais pas être à la place de ces gens-là. Puis je les trouve tellement cons. Non, exact. C'est difficile. Tu sais, Exactement. ça peut avoir l'air prétentieux. Mais tu sais, quand je dis c'est des inférieurs. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils ont été choisis pour leurs défauts. Parce que c'est. Tu sais, c'est difficile d'avoir du. Non, mais je Du. comprends ce que tu veux dire. Quelqu'un qui est vraiment pleinement conscient, il ne voudra pas se salir les mains, il ne voudra pas, par exemple, amener le Au moins, troupeau à il l'abattoir. va s'en rendre compte. Ben c'est ça, Il ne va il... pas se salir les mains en pensant qu'il s'est lave. Faut vraiment être des imbéciles. Faut Exact. vraiment être. Depuis l'enfance, être conditionné à. Ben, en passant, lui, Macron, je pense que ça fait un bout de temps, lui, depuis l'enfance, qui était entouré par le même monde. Non, On dit exactement, il y en a enfance, là. des... Mettons qu'à 15 ans, Oui. c'était encore un enfant, lui. Puis, que. Il était. Ben, il était dressé. Oui, il y en a que Tout c'est de ça, belles fait. lurettes, là, tu sais, puis il y a des Oh oui. dynasties, si on pense aux Bush, de Hey, père elle en a fait un fils. programme. Donc, je suis sûr que c'est ça. Elle, là, son petit Emmanuel, elle a fait un programme. Là, tu vas t'en aller, gna gna, plus devenu banquier, puis là, puis là, la politique, puis, tu sais. Ben, ça se peut que ça soit que sa compagne, parce qu'il y avait plusieurs années de différence avec lui. Ben voyons, qui c'est qui a dit, ah, tu vas continuer tes études, puis. Même si tes parents trouvent ça immoral, notre union, moi je vais te faire un programme, tu vas réussir, tu vas devenir un grand homme, puis blablabla. Puis dans le fond, on le sait même pas. Moi, ce monde-là, j'ai pas confiance, puis je les connais pas, personne. Puis même celui-là qui a l'air le plus. J'ai confiance en absolument personne. Absolument personne. Même ceux-là au Québec, là, que on a des sauveurs, là, qui apparaissent ici et là. Oh oui. T'sais, je veux pas, c'est pas moi qui va. J'ai pas des doutes dans le sens que je suis sûr que c'est toute de la merde, là. C'est pas ça l'affaire. Mais j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en ça du monde. Non, non, Parce il que. faut pas être naïf, même par rapport à certains individus dans les médias alternatifs qui présentent, justement, ils veulent présenter une alternative. Faut être extrêmement prudent. Ben là, tu sais, si là, tu veux dénoncer, je sais pas, moi, certaines techniques pour impressionner le public quand tu informes puis tout, ben imite-le donc pas. Je comprends pas, moi. C'est plus. Il y en a, c'est supposé être alternatif, le ton est plus sensationnaliste que TVA. C'est, tu sais, le gros effet dramatique, là, puis. Il y en a, ce ne sont pas extra. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas fait d'école de théâtre, là, puis c'est pas subtil. Puis des fois, je trouve qu'il y en a trop. Puis, tu sais, c'est normal, là, ça s'ajuste, ça part de nulle part des fois. Mais là, les maudits effets dramatiques, puis de tout le temps, j'ai allé chercher les gens par l'émotivité. Moi, là, si vous êtes alternatif, imitez donc pas ce dont vous êtes censé être l'alternative. C'est ça, moi, que j'aime pas.
le côté mise en scène, le côté spectacle, puis le côté avec la grosse musique épique tout au long, puis des affaires de même, ça, non. Parce que, je le sais, il m'a dit, ben là, c'est de bonne guerre, faut employer les mêmes armes que. Non, non, si ce que tu as à dire, c'est clair, c'est précis, c'est intelligent, ça va se rendre. T'as pas besoin de faire de faire des sparages à pu finir, là. Parce que il y en a qui y a du simagrin un peu. Ben, tu sais, je veux dire, c'est parce que là, la situation est grave. C'est pas comme, tu sais, genre, on se prend pas au sérieux puis on se permet des écarts. C'est pas ça, là. C'est genre, on va se prendre encore plus au sérieux qu'on l'est. Parce que, dans le fond, on critique les journalistes, mais on dirait qu'on s'enquête une job pour le monde d'après, au cas où ça revient d'abord. Puis, je le sais pas. Puis, aussi, le côté. Tu sais, moi, je reste enthousiaste pareil parce que je sais qu'il y a des phénomènes naturels dans ça. Puis, moi, ma ligne de conduite, c'est laisser faire, puis observer ce qui se passe. Sans participer à rien, puis en restant indépendant. Mais j'ai pas. C'est juste pour dire que j'ai pas confiance en des. Quand une dissidence est organisée, c'est parce qu'elle est infiltrée tout le temps. J'ai pas mal tout le temps. Puis Non, je veux non, c'est sûr dire. qu'il peut y avoir des opérations faux drapeau. Qui peuvent se dérouler parce qu'on te donne l'impression que c'est des vrais dissidents, mais en réalité, ils sont déjà infiltrés par les forces au Ben, pouvoir pour. c'est pour ça que l'affaire là de vouloir se garrocher ici et là. Puis c'est peut-être qu'il va falloir, en tout cas certains, s'ils sont vraiment, ils veulent, il va falloir être sur d'autres terrains. Sur d'autres terrains, parce que. Juste là, aller manifester. Puis ce qui va arriver, c'est que ils ont tellement conditionné une partie de la population à voir ça comme de l'irresponsabilité, qu'à même qu'ils sortent les bébelles, les canons à eau, puis le monde, ils vont pas brailler. Puis il y a une partie du monde qui vont considérer ça comme justifié. Ben oui, Ça parce donnera qu'on rien. est conditionné depuis plusieurs semaines de dire que ceux qui s'opposent aux mesures sanitaires, c'est des covidiots, des complotistes. Là, quelque part, si le but c'est d'aller se faire arroser, puis ça changera rien, c'est quelque part, c'est idiot un peu. Parce que c'est à d'autres niveaux, là. C'est vraiment au niveau surtout de commencer à avoir des alliés au cœur des instances elles-mêmes. Va falloir qu'on arrête, j'ai ma batterie est faible. Mais j'avoue, je suis fatigué un peu, là. Non, non, on va compléter, c'est Puis en sûr, plus, tu sais, l'entretien. on sort pas mal des. Mais on dit pas mal pareil. Oui, on a dit plein de choses là, intéressantes. Là. Sinon, la deuxième vague, ce que je peux dire dans mon expérience, c'est que dans la première vague, par exemple, moi, je ne réside pas avec ma conjointe. Là. Donc, on est dans deux unités de domicile différentes, ce qui fait que dans la première vague, techniquement, on n'a pas le droit de se voir. Là, dans la deuxième vague, on a le droit d'avoir pour les personnes seules la visite d'une autre personne. Donc là, on était content par rapport à ça, mais en réalité, à la base, notre droit en tant que citoyen avant la crise, c'était normal d'avoir ça. Puis là, une liberté qu'on perd, c'est comme si c'était un privilège qu'on nous donnait, puis on était tellement heureux d'apprendre ça que cette fois-ci, dans la deuxième Ben, vague, on aurait le droit à ça que. dans un régime où il y a plus de contrôle, puis il faut transformer ce qu'on considérait comme des droits en privilèges, qu'on accorde ou pas selon le comportement, comme ton système de crédit. C'est juste ça. Exactement. Ce qui était un acquis pour soi, qu'elle a de soi, est devenu comme un privilège, puis on est content. Fait qu'on voit qu'on est manipulé à ce Oui. niveau-là. Ben, tu sais, j'ai eu une école quand j'étais enfant, une école primaire, qu'il y avait un système de permis de conduite avec des points, des mérites. Si tu te conduisais pas bien, t'enlevais des points. La première chose que je leur ai dit, c'est que je trouvais ça con. 2 mois après, j'avais plus de permis de conduite parce que je le répétais chaque fois qu'on m'en parlait, puis je perdais des points de démérite. Une fois que j'ai perdu mon permis, j'avais à peine avec ça.
Puis la seule conséquence, c'est que tu n'as pas le droit d'aller à leur activité sans intérêt à la fin de l'année. Ça ne m'intéresse pas, moi, de... Je m'en foutais tellement. Ça peut pas marcher avec moi, ça peut pas fonctionner. Parce que je suis tellement vaniteux, orgueilleux, puis je suis tellement facile à mettre que je vais Ben, préférer je me dirais pas priver de quelque chose. ces vocables-là Moi, avec toi. Je si dirais quelqu'un plutôt qui que tu es essaie... Oh non, c'est vrai. tellement individué. Ah, oh, c'est de l'orgueil. J'arrive pas à tolérer qu'on puisse se servir d'un privilège ou d'un... Si on prend quelque chose qu'on peut me faire chanter en menaçant de me l'enlever, je te le donne. Je préfère ne pas en Pour avoir. moi, c'est pas de l'orgueil, c'est de la légitimité, de C'est... l'autodéfense psychique. Ouais, mais moi, chez moi, ça se manifeste par l'orgueil. C'est grâce à l'orgueil et à la vanité que j'ai tout le temps réussi à tenir tête. Mais moi, je C'est vraiment recadrerais ça, là. ça en vocable de sens d'identité propre et d'individualité affirmée. Ouais. C'est parce que, tu sais, moi, mettons, là, quand bien même tu serais le pape, là, l'effet, ma vanité puis mon orgueil font que ça va au-delà du social ou de la valeur accordée par les autres. C'est dans ce sens-là. J'aime mieux mourir en envoyant chier tout le monde que de vivre en humiliant. Puis c'est j'ai tout le temps été de même, puis même, de quelque part, c'est pas intelligent, mais j'ai une personnalité comme ça. Mais à un autre niveau, c'est C'est si peut-être mes parents intelligent. menaçaient de m'enlever quelque Ouais. chose pour me forcer à que je le prenais, je leur donnais, puis je leur disais que j'en voulais plus. J'étais bête comme ça, puis ma mère, elle me disait, toi, c'est tout ou pantoute, j'ai tout à fait. J'aime mieux que ce soit pantoute que rien, tu sais. Au moins, c'est moi qui décide. Ouais, mais peut-être que c'est justement cet intelligent à un autre niveau, ben, ça te permet de te préserver en tant qu'individualité. Oui, mais c'est difficile. Ça fait une vie difficile de tout le temps tenir tête, puis de tout le temps... Comme là, je suis demandeur encore d'une affaire, il va falloir que je me déplace pour une histoire devant un tribunal administratif, puis ça va être par vidéoconférence avec des masques. Je vais avoir bien du fun. Grâce à ma... tu sais, cette espèce d'entêtement-là que j'ai. Je vais aller faire. Bon, je vais aller rire d'eux autres ou ils vont rire de moi. Je ne sais pas. Mais tu sais, je le fais parce que je sais que je suis légitime comme demandeur. Mais il reste que c'est, ça va m'avoir. Je vais en avoir dépensé de l'énergie pour des principes puis des affaires qui. Je vais m'être privé de beaucoup de choses puis de beaucoup de possibilités pour des principes parce que je ne suis pas capable de. Quand je le sais que j'ai raison, il n'y a rien qui va. J'aime mieux. C'est comme tu dis, il y en a qui parlaient, comme du monde parlait d'envoyer faire un camp à Gagnon, puis tout. Envoyez-moi à Gagnon. T'sais, si jamais ça vient là, moi, j'aime mieux aller à Gagnon que de dire à ce monde-là qu'ils ont raison. Vincent, tu sais, j'aime mieux un camp de concentration que de dire à ce monde-là qu'ils ont raison, puis de plier. Non, non, vous êtes tous des cabochons, puis c'est Oui, vous autres mais qui chroniqueur allez Mario payer Dumont, il pour allait tout. loin là-dedans, là, mais Et lui, ouais. là. Câlisse. Moi, je viens tellement insulté de voir qu'on a du monde de même. Je trouve ça insultant. Ben, c'est gênant, l'élite québécoise Ah, intellectuelle ou ça, c'est l'élite, là. Martineau. Ben, c'est l'élite Ben, qu'on moi, véhicule dans les médias, là. en tout cas, j'aime autant pas. Non, J'aime non. autant pas. Non, je comprends, Tu puis veux je. même pas y penser. Non, c'est ça. C'est Tu veux sûr même que. pas y penser. Ah, je deviens bien mauvais, maudit C'est que sûr je que deviens. c'est très contrariant de voir que ceux-là Oh. qui sont devant l'écran dans les médias de masse puis qui sont des influenceurs, c'est des gens justement comme ça qui, à quelque part, sont très dominants ou infantilisants là, dans leurs propos. C'est les deux, c'est lié. C'est lié. Il n'y a Hey. rien de plus qui va dire l'enfant, c'est vouloir dominer autrui, ça va être l'ennemi de maturité souvent, si c'est dans ce temps, en tout cas. Non, Mais je là, crois. vraiment, faut que je te laisse, j'ai Oui. peur que l'ordi ferme tout seul. Parfait. Donc, pour compléter l'entretien d'aujourd'hui à l'égard du phénomène de la deuxième vague qu'on vit ici au Québec, comme un peu partout dans le monde, associé à la crise, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, ben, non, vraiment pas, là. C'est vraiment d'observer. Je vois pas autre chose, mais c'est sûr que j'ai pas les mêmes. Tu sais, je veux dire, même dans 10 ans, là, si l'économie est à terre, moi, ça change pas grand-chose.
Puis c'est pareil dans plein de choses, là. Je veux dire, quand bien même le système social s'effondre, j'ai jamais fonctionné. Ça m'inquiète pas, mais ce qui m'inquiète, c'est pour les autres. Je veux dire, on était en moyenne à 5 suicides par jour au Québec, puis là, les statistiques sont plus disponibles. Mais c'est sûr que c'est plusieurs fois le nombre de morts du COVID, ça se compare même pas. Puis sans parler les drames familiaux, puis la violence. Ils sont en train de mettre la table pour une forme de sélection naturelle inhumaine, où les gens les plus faibles vont s'autodétruire puis s'entretuer entre eux. Puis en plus, ça fait des années qu'on nous rend ça par la fiction, entre autres. Tu sais, l'affaire, tu parlais là de. C'est un film que j'ai jamais vu, mais j'ai la mémoire photographique. Je me souviens d'une affiche, tu parlais là, de rester 28 jours confiné. Puis il y avait des films d'horreur qui s'appelaient 28 jours plus tard. Puis aussi les histoires de darwinisme social, des affaires que j'ai pas vues, mais que genre. Comme les films de purge puis de conneries de même. On joue dans la tête des populations, on les pollue, on leur met dans. Puis c'est lié justement à. Il y a une forme de darwinisme social là-dedans. Ceux que ça intéresse, là, d'aller voir certaines philosophies qui perdurent Oui, encore, là, comme c'est Sabbatai-Lévy, puis exactement. qui. C'est les gens les plus fragilisés qui, dans la crise, malheureusement, risquent de sombrer. On parle Ben oui, d'augmentation mais du il y a nombre de du monde suicides chez pour les qui. jeunes. Oui. Il y a du monde pour qui ça se tient, mais ceux qui veulent regarder ça, là, Sabbatai-Lévy, que peut-être ça existe encore des choses comme ça, puis que, bon, s'ils veulent vérifier, voir justement qu'il y a des vieilles choses qui restent, puis qui se cachent. Mais sans vouloir non plus être drastique, là, c'est pas une conclusion, mais c'est des pistes. Exactement. Donc, c'est sûr qu'en terminant, écoute, je te remercie pour le temps que tu as consacré à cet entretien. Et ce que je voulais rajouter, bien, les gens qui auront apprécié l'entrevue d'aujourd'hui, bien, c'est sûr que si vous avez envie, vous êtes les bienvenus là, pour m'envoyer une contribution financière, que ce soit par PayPal ou Interac, en guise d'appréciation, un peu comme par exemple, on va donner un pourboire au restaurant là, si on a apprécié particulièrement là, le repas. Donc, ça, c'est ma petite suggestion. Puis, sinon, en fait, ce que je voulais rajouter par rapport à toi, Berthold, c'est que les gens peuvent retrouver là, sur Internet. Donc, s'il y en a qui ont le goût d'écouter d'autres entretiens avec toi, là, il y en a quand même plusieurs là, qui sont présents là, sur YouTube. Oh, ben c'est parfait. Donc, merci encore une fois, puis à bientôt. Bye. Bye. Ben, je vois vraiment mon.